lamentation de Jérémie au chapitre 1er, il est dit au verset 1er, comment est-il arrivé que la ville si peupleuse se trouve si solitaire? Que celle qui était grande parmi les nations est devenue comme une veuve. Que celle qui était noble dame entre les provinces a été rendue tributaire. Elle ne cesse de pleurer pendant la nuit et ses larmes sont sur ses joues. Il n'y a pas un de tous ses amis qui la console. Et ses amis intimes ont agi perfidement contre elle. Et ils sont devenus ses ennemis. Judas a été emmenée captive tant elle était affligée et tant est grande sa servitude. Elle demeure maintenant entre les nations et ne trouve pas de repos. Tous ses persécuteurs l'ont attrapée dans sa détresse. Et voilà, donc on voit bien Jérémie, le prophète. Je ne dis pas que je suis Jérémie, loin de moi cette pensée. Mais néanmoins, en tant que chrétien, en tant qu'habitant de ce monde, nous pouvons tirer des bilans, nous pouvons crier, n'est-ce pas, crier parce que nos cœurs souffrent, parce que nos cœurs saignent, quand on voit des âmes détruites, quand on voit des personnes, des familles brisées, quand on voit des enfants de Dieu qui sont dépouillés, qui sont à longueur de journée, complètement brisés, cassés dans la désolation, on ne peut pas, bien sûr, se taire. Et notre combat, bien évidemment, est spirituel. Et ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe également au Congo RDC, notamment dans les églises de la RDC, ont été prédits. Hein, ces choses-là ont été prédites dans les Écritures. Nous en parlons tout simplement pour confirmer la véracité des Écritures. Voilà, je dis bien, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel, mais notre rôle est aussi d'informer nos amis, d'informer le monde, d'informer les chrétiens sur ce qui se passe véritablement. Donc on a vu Jérémie qui a énormément pleuré pour son pays, pour sa ville. Et il n'y a pas que Jérémie, il y en a plein d'autres qui ont pleuré, qui ont demandé de l'aide au Seigneur pour qu'il intervienne. Au chapitre 2, au verset 1er, comment est-il arrivé que le Seigneur a couvert de sa colère la fille de Sion tout alentour comme d'une nuée et qu'il a précipité du ciel sur la terre la beauté d'Israël et ne s'est pas souvenu du marchepied de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans épargner toutes les habitations de Jacob. Il a dans sa fureur renversé la forteresse de la fille de Judas. Il les a jetées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Voilà, donc on voit bien que Jérémie continue à pleurer. Et au verset 11 de Jérémie, de Lamentation de Jérémie, au chapitre 2, le verset 11, il est dit, « Mes yeux se consument à force de larmes. » Donc il pleurait énormément. Il pleurait énormément. « Mes entrailles bouillonnent, mon foie se répand sur la terre à cause des ruines de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons qui tombent en défaillance dans les rues de la ville. » Il disait à leur mère, « Où y a-t-il du blé et du vin ?» Et il tombait comme mort dans les rues de la ville, comme un homme blessé à mort. Il rendait l'âme sur le sein de leur mère. « Qui dois-je prendre à témoin ? À qui te comparer, fille de Jérusalem ? Qui pourrait te comparer, fille de Jérusalem ? Qui pourrait t'égaler ? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion ? Car ta ruine est grande comme une mer. Qui pourrait te guérir ? Voilà, et ça c'est la question que Jérémie se posait, donc il a énormément prié pour son pays, et c'est ce que nous sommes censés faire également. Et nous prions pour nos pays, nous prions pour les nations, nous prions pour la France, pays où nous sommes, où nous sommes établis. Et voilà, donc et nous prions également pour toutes les nations, on prie pour l'Afrique. Et également, vous avez pu constater que nous faisons beaucoup d'émissions en Afrique. C'est pour encourager aussi nos amis africains à se prendre en charge, à aller vers le Seigneur plutôt que de chercher à passer par des prophètes. Alors, voilà, donc vous avez compris que c'est biblique de parler de ce qui se passe dans nos pays en tant que chrétiens. Parce que nous sommes, et mes amis, appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à témoigner de ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Voilà, donc
Et ce soir, c'est ce que nous allons partager justement. Donc, nous allons rapidement vous parler un peu de ce qui se passe au Congo RDC. Pourquoi la RDC? Ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions aussi sur beaucoup d'autres pays. Hein. Donc, on a parlé sur Israël. Vous savez, on enseigne sur Israël, qui est une horloge, une des horloges de temps. On parle sur les nations. Des livres ont été notamment écrits sur les nations, notamment la guerre d'Armageddon. Donc, la RDC fait partie, le Congo RDC fait partie aussi des nations. Et nous allons en parler parce que c'est un pays, pour ceux qui ne le savent pas, prophétique. Je dirais, sur le plan, mes amis, richesse minière, et c'est le pays le plus riche au monde. Alors, ça peut étonner beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Oui, mes amis, c'est un scandale géologique. Et ça ne sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche des scientifiques, des géologues, des scientifiques, des gens haut placés et qui reconnaissent effectivement que Dieu, pour ceux qui sont croyants, a effectivement béni cette nation, cette terre. Et vous savez, Dieu, on va vous montrer un peu toutes les richesses que le Seigneur, notre Dieu, les richesses naturelles et, que Dieu a données à cette nation. Lorsque Dieu bénit une nation avec autant de richesses, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Pour une raison. Donc on le voit par exemple dans Luc chapitre 12. Et rapidement, l'équipe va nous montrer un peu les richesses que le Seigneur, notre Dieu, a données à cette nation, également au monde. Hein. Parce qu'on l'oublie souvent, Dieu a béni la terre. Il a béni la terre. Et dans Genèse, là-bas, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en quatre bras. Et il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses hein, dans ces fleuves. Et notamment dans certains fleuves. Je crois que l'un ou deux de quatre fleuves. Voilà. Donc, et ça, c'est des réalités. Alors, dans Luc, justement, le Seigneur dit qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, n'est-ce pas? À qui l'on a beaucoup confié. Alors, le Seigneur a confié beaucoup de choses au Congo RDC. Et on verra pourquoi Dieu a béni cette nation, pourquoi Dieu a confié tant de richesses à ce peuple. On va le voir plus tard. Donc, dans Luc, je vais lire un passage, Luc chapitre 12, verset 48. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. D'accord? Donc, plus Dieu vous bénit, plus vous serez jugé. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Cette parole sort de la bouche de Yeshua. Et si Dieu, mes amis, permet la souffrance des Congolais, notamment de la RDC, c'est parce qu'ils ont été bénis, parce que nous avons été grandement bénis. Et on va le voir, mes amis, avec les ressources de la République démocratique du Congo, toute cette richesse que le Seigneur a donnée à ce peuple, à mon peuple. Et regardez bien. Et alors, on va. Donc, le potentiel énergétique, les réserves minérales de la faune et de la flore et le sous-sol congolais, que d'immenses possibilités agricoles regorgent de potentialités minières scandaleuses avec comme réserve connue. Donc, on présente ces réserves connues. Il y a à peu près 20 milliards de tonnes de manganèse. 20 milliards de tonnes de manganèse. Vous voyez? La manganèse, c'est une pierre précieuse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors, la RDC donc, possède près de 20 milliards de tonnes. C'est scandaleux. Hein, c'est énorme. Et ensuite, 110 millions de tonnes de cuivre. 110 millions de tonnes de cuivre. Tout ça, c'est des choses que Dieu a créées. Ça ne vient pas de l'homme, tout ça. Là. 105 millions, hein, 10 millions, 500 000, 10 millions à peu près, hein, de tonnes de cobalt. Hein, plus de 10 millions de tonnes de cobalt. Vous vous rendez compte?
Je crois qu'avec le cobalt, on fabrique justement les portables comme les iPhones et tout ça. Et cette matière avec laquelle on fabrique les téléphones, notamment les iPhones, ça vient du Congo RDC. Beaucoup ne le savent pas. Maintenant, vous êtes informés. Hein, beaucoup ne le savaient pas. Alors, il y a 20 millions de tonnes de zinc. 20 millions de tonnes de zinc, 15 millions de tonnes de fer, 40 millions de tonnes d'or. 40 millions de tonnes d'or. 150 millions de tonnes de minerais de niobium. 150 millions de tonnes de minerais de niobium. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaissait même pas. 730 millions de tonnes de carats de diamants. Hein, de diamants, pardon. 730 millions de tonnes de carats de diamants. C'est énorme. 730 millions de tonnes de carats de diamants. 750 000 tonnes de cassitérite. Plus de 175 millions de tonnes de lithium. Donc, c'est là pour les batteries. Hein, les batteries que vous avez dans vos portables, ben, ça vient. Hein, la matière avec laquelle on la fabrique, hein, c'est cette batterie-là ou ces batteries, la matière avec laquelle on les fabrique, provient essentiellement de la RDC Congo. Alors, vous avez vu, plus de 175 millions de tonnes de lithium. S'ajoutent à ces richesses près d'une quarantaine d'autres matières premières encore non évaluées. Il s'agit des substances ayant pour nom, par exemple, hein, ambligonite, argent, argile, smectique et noble, basnaïcite, bauxite, béryl, bismuth, cadmium, charbon, chrome, diamonite, étain, gaz, méthane, germanium, granite gypsé, gypse, marbre, monazite, nickel, ongre, phosphate, platine, plomb, pyrite, rhénium, sable. Il y en a tellement, sel, gemme. Il y en a trop. Il y en a, c'est un scandale. Ressources énergétiques. Les spécialistes en discussion au salon de la Banque mondiale indiquent qu'avec le seul site d'Inga, la République démocratique du Congo dispose de plus importants gisements de puissance hydroélectrique qui pourraient alimenter toute l'Afrique et l'Europe. Toute l'Afrique et l'Europe peuvent être alimentées en électricité, hein, jusqu'à la fin du monde, juste avec le barrage d'Inga. Concentrer en un même point l'énergie sauvage qui se dégage annuellement est de l'ordre de 670 milliards de kilowattheures. Donc c'est terrible. Alors il y a du cuivre, hein, et 4%, plus de 4% de la moyenne mondiale. C'est le caoutchouc, le zinc, l'argent, platine, camure, c'est énorme. L'uranium, hein, l'uranium avec lequel on fabrique des bombes atomiques, le diamant, le soufre, le gaz, tout ça, le pétrole dans toute l'étendue du pays. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, sur toute l'étendue du pays, c'est-à-dire de la RDC, il y a du pétrole. Pour votre information, mes amis, vous qui êtes là, vous qui nous suivez ce soir, sur toute l'étendue de la RDC, vous avez du pétrole. Contrairement à d'autres pays producteurs du pétrole, au Congo RDC, c'est tout le pays, c'est tout le sous-sol du pays qui regorge du pétrole. À tel point qu'il y a des endroits où il est interdit de creuser à plus de 3 mètres. Parce qu'il y a du pétrole. Les réserves de bitume du Bas-Congo constituent les quatrièmes du monde en importance et demeurent non exploitées jusqu'à ce jour. Il y a le soufre, il y a le gaz méthane. La particularité du Congo est qu'une grande partie de ces minéraux constitue les réserves les plus importantes du monde non encore exploitées. Le cobalt, plus de 2%. Le niobium, l'or, les plus grandes réserves du monde. La valeur estimée à 50 milliards de dollars américains. C'est les plus grandes réserves du monde qui se trouvent au Congo RDC. Hein, réserves d'or.
Les études montrent que les réserves d'or peuvent être exploitées de façon industrielle. Il faut noter que l'or ne constitue pas plus un simple minerai précieux utilisé comme réserve de change par les banques centrales. Ne constitue plus un simple minerai précieux. Donc, vous voyez, dans l'industrie de pointe, l'or intervient dans la fabrication de satellites de communication et de satellites espions. L'or étant également un excellent conducteur, il est utilisé dans la fabrication des composants essentiels des ordinateurs, à savoir les microprocesseurs. Alors que les ressources cuivre, zinc, cobalt sont considérables. Selon les études géologiques menées ces dernières années, le sous-sol de la RDC renferme des gisements de cuivre, d'argent et de cadmium, mais surtout des concentrations d'or d'une teneur exceptionnelle. Les spécialistes estiment que la RDC sera à l'avenir le moteur économique d'Afrique et de l'Europe en ne considérant que le volet minier. Le moteur, pas un de moteurs, mais le moteur de l'Afrique et de l'Europe. La RDC possède aussi des métaux rares utilisés dans l'industrie de pointe. Le beryllium, utilisé dans la technologie de réacteurs et dans l'industrie nucléaire. Le wolfram, d'où est issu le tungstène, résistant à des températures extrêmement élevées sous de hautes pressions. C'est le cas justement de lancement de roquettes et de navettes spatiales. Le cobalt, entre 50% de la production mondiale vient, n'est-ce pas ? Le cobalt, dont 50% de la production mondiale vient de la RDC. 50% de la production mondiale du cobalt vient de la RDC. Il détient, notamment, ce pays détient les réserves les plus importantes du monde, le nickel, le indium et le tantal, classés comme les métaux les plus recherchés dans la technologie de construction des roquettes et des avions. Le tantal ou le niobium forme avec le tungstène, ce que l'on appelle des alliages spéciaux, tandem qui résistent à l'usure et à des températures extrêmement élevées. Des études géologiques récentes ont révélé des réserves importantes de lithium, de nickel et de chrome à la RDC. Le lithium est utilisé comme composant important dans la fabrication des piles de longue durée. Piles d'ordinateur, piles de téléphone portable. Le lithium est aussi utilisé comme combustible de bombes atomiques et de bombes à hydrogène. Certains composants de lithium servent de couches réfractaires aux céramiques intérieures et des centrales nucléaires où se réalise la fusion nucléaire. Vous voyez, donc le nickel est associé au minerai de fer pour produire les aciers spéciaux utilisés dans les industriels lourdes, fabrication des locomotives, des tracteurs, des armes lourdes telles que les chars de combat. La RDC est producteur de l'étain. Il est le premier producteur mondial de diamants industriels. Il produit le diamant des joailleries dans les provinces des deux Kassai, de Bandundu dans la province orientale et dans la province de l'Équateur. Faut-il rappeler que c'est l'uranium de Katanga RDC qui a permis aux Américains de mettre au point les bombes atomiques qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc les deux bombes lâchées au Japon ont été, n'est-ce pas, fabriquées grâce à l'uranium qui a été extrait au Congo RDC, notamment dans la province de Katanga, du Katanga. La RDC possède ce minerai dans son sous-sol. La RDC possède aussi d'autres ressources stratégiques. Parmi les autres ressources naturelles stratégiques détenues par la RDC, signalons les eaux douces. 7% de réserves mondiales, c'est énorme. 7% de réserves mondiales. Le potentiel hydraulique dont le seul site Dinga peut produire de l'énergie électrique demandée aujourd'hui au Nigeria, dans toute l'Afrique centrale, en Afrique, Australie, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Libye et les autres pays européens, de la Méditerranée sont demandeurs du courant Dinga. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? Enfin, les chercheurs belges, américains avaient déjà estimé le pâturage naturel de la RDC à plus de 5 millions d'hectares, d'où certains démographes ont estimé que le sous-sol, le sol du Congo, Kinshasa, pourrait nourrir jusqu'à 850 millions d'habitants pendant 50 ans. La RDC possède presque toutes les matières premières qui font tourner tous les secteurs de l'industrie moderne. Informatique, télécommunication, production de l'énergie nucléaire, armement aérospatial, métallurgie,
pharmacie, électroménager, etc. Ne pensez-vous pas que ceci est la cause de la souffrance congolaise? Donc, vous voyez, c'est un scandale géologique. C'est un scandale géologique. Ça, c'est qu'une partie de ce que la RDC a reçu de Dieu comme héritage. Pourquoi Dieu, notre Père, notre Créateur, parce que nous croyons en Dieu, pourquoi Dieu a-t-il donné autant de richesses à un seul pays? Pour vous informer, pour votre information, la RDC et ce pays est quatre fois plus grand que la France. Quatre fois plus grand que la France. Une fois et demi plus grand que le Québec. 80 fois plus grand que la Belgique. C'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie. Il y a tout, de tout, le gaz. Il y a des poissons, il y a tellement d'eau douce là-bas que avec des poissons tellement nombreux qu'il y en a qui meurent de vieillesse. Voilà, c'est terrible. Terrible. Regardez cette image avec ce poisson, par exemple. Voilà, les informations sont là. Les poissons meurent de vieillesse. Tellement qu'il y a d'eau douce, tellement qu'il y a des richesses, hein, tant au niveau de minerais qu'au niveau de la flore, la faune, tout ça. Et c'est un scandale géologique. En République démocratique du Congo, les poissons meurent de vieillesse. C'est pour plusieurs raisons, notamment le fait que la pêche est encore artisanale. Cela nous pousse à pousser plus loin notre réflexion sur ce que doit réellement la pêche, doit être réellement la pêche en RDC. Donc, vous vous rendez compte? Ça, c'est des informations que l'on n'a pas, que beaucoup négligent, que beaucoup ne connaissent pas. Oui, l'évangile, mes amis, c'est aussi le fait de dire aux hommes de ce monde, Dieu, n'est-ce pas, nous a aussi bénis naturellement avec toutes ces pierres précieuses, avec tous ces poissons qu'il a créés, avec toutes ces, mes amis, tout ce pétrole qu'il nous a donné, avec, mes amis, toute cette forêt. La RDC possède, n'est-ce pas, le Congo RDC possède la forêt la plus dense hein, du monde après hein, l'Amazonie, après le Brésil. C'est la deuxième forêt la plus importante hein, au monde, avec bien sûr le Congo, Brazza, parce que voilà, tout ça c'est le même pays, le même royaume à l'époque, mes amis, avant que les Belges et les colons ne viennent diviser ces territoires, ces royaumes. Vous vous rendez compte, mes amis, la richesse que Dieu a donnée à cette nation? Pourquoi? Pourquoi tant de richesses? Dieu, quand il bénit, c'est pour, n'est-ce pas, rendre le pays béni, responsable des autres. Quand Dieu bénit, c'est pour que ce pays bénisse les autres. Donc, si Dieu a donné autant de richesses aux Congolais de la RDC, c'est comme s'il nous disait, je vous donne autant de richesses pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nourrir les autres. C'est-à-dire, Dieu nous rend responsables des autres. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Et c'est pour cela, on l'a lu dans Luc 12, 48, Dieu dit, on redemandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Vous me direz, oui, il y a d'autres pays qui pêchent, pourquoi ces pays sont en paix, pourquoi nous, pourquoi il y a autant de guerres, autant de souffrances. Je voudrais d'abord vous dire, mes amis, ces pays n'ont pas été autant bénis que le Congo RDC. C'est une bénédiction que le Seigneur a confiée à cette nation. Regardez ce que Genèse chapitre 2 nous dit, justement. Genèse chapitre 2. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous sauve au nom de Yeshua. Genèse 2, à partir du verset 9. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue, bon et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Picon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon.
C'est là aussi que se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, qui coule vers la Syrie. Et le quatrième est l'Euphrate. Donc vous voyez, dès le jardin d'Éden, dès la Genèse, on nous dit que Dieu avait béni, n'est-ce pas, ce jardin. Et il y avait de l'or. L'or était meilleur, l'or était bon, hein, l'or de ce pays. Et on nous dit également qu'il y avait des pierres précieuses. Donc vous voyez que tout ça là, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu a béni cette nation. Pourquoi autant de richesses confiées à la RDC? Eh ben, je crois que ce que je comprends aujourd'hui avec les hommes et les femmes qui prient le Seigneur, c'est que Dieu a donné cette richesse à ce pays pour l'évangélisation du monde. Pour l'évangélisation du monde. C'est-à-dire, ce pays a une destinée prophétique. Ce pays a un appel prophétique. C'est pour nourrir les autres. C'est pour aider les autres. C'est pour, n'est-ce pas, évangéliser avec tous ses biens. C'est pour aller nourrir les veuves, nourrir les orphelins. D'abord, pour aider la population, hein, afin que l'évangile, afin que la parole du Seigneur soit proclamée véritablement. Voyez. Et donc, Dieu, je le disais, je me répète, quand il confie une responsabilité matérielle, financière, notamment avec tous ces biens ces minéraux, avec cette richesse, mes amis, au niveau de l'eau, au niveau de la forêt, au niveau des fruits, au niveau des poissons, de la faune et de la flore, c'est pour que les Congolais de la RDC saisissent leur mission et partent en mission dans les nations pour apporter l'évangile. Et comme certains Coréens le font aujourd'hui, Coréens du Sud, qui partent dans les nations pour apporter l'évangile, comme certains Américains qui craignent le Seigneur, pas tous malheureusement, et qui, à cause des biens que Dieu leur a donnés, ben, vont aussi apporter l'évangile dans les pays pauvres. Et ça, c'était la mission que Dieu avait confiée aux Congolais de la RDC en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette mission est passée et pourquoi le Congolais pleure aujourd'hui? Pourquoi? Eh bien, nous allons rapidement voir, d'abord, on a connu plusieurs, bien sûr, présidents, mais il y en a un notamment qui est décédé et qui a, n'est-ce pas, vendu le pays à l'esprit du léopard. Donc on va rapidement voir l'image. Hein. Donc dès qu'il y a l'image, là vous faites sur les écrans des frères et sœurs, vous tenez-moi au courant. Et c'est bon. Les gens chez eux voient cette image. Alors, bien sûr, on va essayer de nous lire un peu ces textes-là par rapport au léopard. Hein, donc, on va descendre et parce qu'on se pose des questions. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de soucis? Alors qu'il y a toute cette richesse, pourquoi aujourd'hui, dans ce pays, les gens meurent suite à la malnutrition? Des enfants meurent parce que l'eau n'est pas potable. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a toutes ces richesses-là? Eh bien, on va à l'origine des choses, d'accord? On va à l'origine des choses et on va descendre encore un peu. On va descendre encore. Encore. On va descendre. Voilà. Alors, le léopard. Et on va nous faire la lecture un peu à partir de... Donc là, vous avez l'image, bien sûr, du président qui a succédé au premier président, Kassavubu. Donc, c'est le président Mobutu. Donc, lui, il arrive au pouvoir et il se nomme carrément. Il change carrément son nom et il se fait appeler, comment dire, Seseseko, c'est-à-dire éternel. Il a pris le nom de Dieu et il s'est présenté aux gens comme étant Dieu. Et les gens ont commencé, bien sûr, à le vouer un culte. Ce peuple béni par Dieu, ce peuple béni matériellement, mes amis, naturellement, ce peuple dont le sous-sol regorge de toutes sortes de richesses, ce peuple béni, parce que ce pays, pour votre information, mes amis, regorge aussi de beaucoup d'intellectuels, parce que aujourd'hui, quand on parle des Congolais de Kinshasa, les gens pensent que c'est des mendiants. Pourtant, ce pays a beaucoup de médecins, des grands médecins, des grands professeurs qui sont dans le monde entier pour enseigner dans des grandes universités, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe.
et jusqu'en URSS, hein, jusqu'en Russie. Et donc il y a un problème avec eux. Voilà. Et donc, dans les nations, des professeurs qui sont en Afrique du Sud, qui enseignent dans les facs et tout ça, et cet aspect-là n'est pas souvent mis en exergue, tout ça. Et sans parler, bien sûr, de cette richesse au niveau des chantres, au niveau de la musique, hein, malheureusement, qui est détournée par l'ennemi pour la gloire de Lucifer, pour sa propre gloire, mais des chantres. Pratiquement tous les Congolais savent chanter, pratiquement. Enfin, néanmoins, beaucoup. Et chanter ou jouer d'un instrument de musique. Mais ce pays béni tombe dans le piège de l'idolâtrie, en commençant par adorer d'abord nos dirigeants, notamment ce président Mobutu, qui se présente comme étant l'éternel. C'est ce qu'en lingala veut dire l'éternel. Voilà. Et les gens, il y a eu le culte de la personnalité. Dieu frappe, Dieu juge. Mes amis, lorsqu'il y a l'idolâtrie, Dieu frappe. Et vous savez que Dieu n'aime pas cela. Un homme, on le fait devenir Dieu. Eh bien, Dieu ne peut que frapper. Ça a commencé par là, mes amis. En Afrique, les chefs portent des coiffes ou des capes en fourrure de léopard ou part de leur trône d'une peau de léopard. Donc là, le léopard, l'esprit du léopard est un esprit qui règne beaucoup en Afrique, et on va voir pourquoi. En raison de sa discrétion, le léopard est une figure rusée dans les légendes africaines. Donc là, déjà, on voit la ruse. Il a la réputation d'effacer ses traces de pas avec sa queue lorsqu'il avance. Donc c'est vraiment la ruse. Dans certaines tribus bantoues, et particulièrement au Congo-Kinshasa, le léopard était considéré comme un animal rusé, puissant et résistant. C'est la raison pour laquelle le président Mobutu Sese Seko portait la toge, la toque et certains attributs de léopard qui le rendaient puissant aux yeux de la population. Mobutu Sese Seko était d'ailleurs surnommé le léopard de Kinshasa. Un léopard fait maintenant partie des armoiries, n'est-ce pas, du pays. Voilà, donc le léopard est préféré au lion comme le roi des animaux par les tribus africaines. Comme le lion, il est ridiculisé dans les légendes par des animaux plus faibles, comme la tortue, le lièvre ou la gazelle. Jusqu'en bas, parce que, voilà. Donc on reste sur l'image du premier du président, du feu président Mobutu. Alors, en Afrique, selon les historiens, il y avait aussi une secte qu'on appelait les Agnotas, hein, les Agnotas, ou encore Agnoto, ou encore voilà, Agnoto avec un Y. Les Agnotas, les Agnoto, appelés aussi hommes léopards. Donc c'était des membres d'une société secrète ayant une base de religiosité animiste. Cette société était très réputée. Elle recrutait ses cadres parmi les sorciers villageois sans pour autant revêtir la structure hiérarchisée d'une secte. Ils étaient actifs autrefois au Congo belge, donc la RDC, dans la région de Babali, du haut Aruimi, et pratiquaient l'assassinat rituel en simulant une attaque de léopard appelée panthère, dont la motivation première était la vengeance. Agnoto viendrait du verbe agnoto qui signifie griffer. Mais la tradition populaire parle aussi d'une agnota qui aurait été une instigatrice de la secte. Lors de leurs initiations, lors de leur cérémonie Mambela, les jeunes recrues, pour montrer leur détermination, devaient tuer un de leurs proches, homme, femme ou enfant, en simulant une mort due à un léopard. Ils n'entraient pas délibérément dans la confrérie, mais étaient désignés par les anciens et ne pouvaient se soustraire à leurs ordres. Leur initiation commençait juste après la circoncision. Ils devaient alors abandonner leur famille et se rendre dans un endroit isolé, forêt ou îlot. Là, pendant de longs mois, les néophytes étaient soumis à des épreuves très pénibles et mettaient sa vie en jeu. Si le candidat était blessé ou tué, nul ne s'en souciait. Cela pouvait simplement prouver simplement qu'il n'était pas digne de devenir un homme léopard. Si le candidat réussissait toutes les épreuves, on lui apprenait alors à imiter parfaitement les cris de félin et à se servir de ses armes d'assassin. Les Agnotas furent aussi réputés anthropophages et à un niveau supérieur d'être capables de projeter leur conscience ou esprit
dans le corps d'un léopard qu'il pouvait ainsi téléguider pour aller tuer quelqu'un sur le principe de loup-garou. Voilà. Donc les Agnotas étaient connus de la population qu'ils terrorisaient, mais qui ne faisaient cependant souvent appel à leur service pour agir en tant que justicier. Donc ils ont énormément, les Agnotas, hein, donc ils se servaient de leur esprit, ils quittaient leur corps physique et ils possédaient les léopards, où ils se transformaient en léopards pour aller tuer les gens. Donc c'était une société secrète au Congo RDC, les Agnotas. Et cette secte congolaise a aussi essaimé dans d'autres pays comme le Ghana et plein d'autres pays africains. Et cette secte n'était pas du tout connue de beaucoup de Congolais, par exemple. Et nous supposons que le président, justement, Mobutu, s'est inspiré de cette secte. Et bien sûr, il y a eu bien sûr des alliances avec notamment le prince de ce monde, hein, pour asseoir sa domination sur le pays. Donc voilà comment le pays va être vendu à l'esprit de léopard. Cet esprit, bien sûr, c'est la ruse, c'est les meurtres. Et pour votre information, cet esprit, l'esprit de léopard, a affecté malheureusement nos églises au Congo RDC. La plupart des églises. C'est-à-dire, c'est la ruse, comme dans Genèse 3. Des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs sont devenus des rusés, hein, se servant de la Bible pour, bien sûr, extorquer de l'argent, pour avilir le peuple. Donc, le problème n'est pas tant le président qui est décédé, qui a vendu le pays à cet esprit, mais c'est plutôt au niveau des églises maintenant. Parce que nous avons, nous chrétiens, reçu le mandat de la part du Seigneur pour amener le royaume de Dieu, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Lamentation de Jérémie, chapitre 4, le verset 13. Jérémie pleure pour son pays, Jérémie gémit pour sa nation, et qu'est-ce qu'il dit? Cela est arrivé, c'est-à-dire la déportation d'Israël, hein, les meurtres, la confusion en Israël. Cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des iniquités de ses prêtres qui répandaient le sang des justes au milieu d'elles. Ils erraient comme des aveugles dans les rues, souillés de sang au point qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. On leur criait, retirez-vous, souillés, retirez-vous, retirez-vous, ne nous touchez point. Quand ils se sont enfuis, ils ont erré ça et là. On a dit parmi les nations, ils n'ont plus leur demeure. Oh, la face de Yahweh les a dispersés. Il ne veut plus les regarder. Ils n'ont pas eu de respect pour les prêtres et n'ont pas été miséricordieux envers les vieillards. Donc, Jérémie nous dit que Jérusalem a été frappée malgré sa richesse à cause des péchés des prêtres et des prophètes. Ah ben oui. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. Non seulement que Dieu a béni cette nation sur le plan physique, mais il a béni, hein, particulièrement sur le plan spirituel. Ça, c'est indéniable. La RDC, mes amis, dans ce pays, pratiquement tout le monde est croyant. Vous trouverez rarement un chrétien, un Congolais qui se présenterait comme un athée. C'est rare, il y a, mais il y en a très peu. La plupart sont croyants. Donc ça, c'est déjà une bénédiction. Le fait de croire que Dieu existe. Voilà. Et malheureusement, cette richesse spirituelle est pervertie. C'est un peuple béni par Dieu, spirituellement, avec des chants magnifiques, avec des voix mélodieuses, avec des compositions que Dieu leur donne, des chants terribles. Dès le bas âge, la plupart savent déjà jouer de la musique, d'instruments de musique, savent déjà chanter, sans avoir été dans les écoles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes, les prêtres, les dirigeants, les chrétiens, les prophètes, ils ont, mes amis, ils se sont d'abord égarés. Ils ont commencé à prophétiser une fois qu'ils ont du pain sous la dent. Michée chapitre 2 nous dit au verset 11. Si un homme court après le vent et débite des mensonges en disant, je te prophétiserai sur du vin et sur les boissons fortes, ce sera le prophète de ce peuple. C'est-à-dire le peuple congolais, la plupart parmi ce peuple,
la plupart d'entre eux, ils sont tellement devenus idolâtres. D'abord, ils ont idolâtré. Nous tous, dans le passé y compris, quand on était petits, que Dieu nous pardonne. Aujourd'hui, les dirigeants, les prophètes, les pasteurs, les bishops, les archibishops, ils sont tellement adorés, adulés. Ils sont devenus des véritables icônes, des chantres, qui sont devenus des dieux pour ce peuple, pour la majorité de ce peuple. Des dieux, on se met à genoux devant eux, on chante même pour des pasteurs. Vous vous rendez compte, mes amis? Des pasteurs qui sont adultères, qui sont divorcés, remariés, continuent à être adulés, à être glorifiés, à être encouragés. C'est-à-dire, le peuple ne veut plus entendre parler de la vérité. Le peuple, mes amis, en parlant de chrétiens notamment, a refusé la vérité. Et dans Ésaïe 59, au verset 15, la Bible dit, « Même la vérité a disparu, et quiconque se retire du mal est exposé au pillage. » Quelqu'un qui prend la décision de ne plus s'associer aux impies, ben, il est pillé, il est combattu. Yahweh voit et cela lui a déplu parce qu'il n'y a plus de droiture. Et dans Jérémie 7, qu'est-ce que le prophète dit? Je compare un peu l'histoire d'Israël à l'histoire de la RDC parce que c'est un pays, comme je vous ai dit, qui a reçu un mandat prophétique. Et dans Jérémie 7, 24, Dieu dit, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont suivi d'autres conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils se sont éloignés et ne sont pas revenus à moi. Et Dieu dit au verset 28, c'est pourquoi tu leur diras, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh son Dieu et qui ne reçoit pas d'instruction. La vérité a disparu, elle se retirait de leur bouche. Vous vous rendez compte? La vérité a disparu. Et c'est le cas aujourd'hui, mes amis, pour l'église congolaise. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais pasteurs, de vrais apôtres. Il y en a, mais ils sont cachés. La plupart de ceux qui sont connus sont corrompus. Corrompus. Et Dieu dit que la vérité s'est retirée. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Regarde des titres comme ça, par exemple. Merci l'équipe. RDC, donc au Congo RDC, être pasteur est un job en or. Voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui arrive. Hein, ce sont des journaux païens qui sont obligés de faire, hein, mes amis, d'exposer les œuvres de tous ces bishops. Il n'y a pas de business plus lucratif à Kinshasa que les églises de réveil. Leurs guides vendent au prix fort leur bénédiction aux fidèles congolais et leur influence aux hommes politiques. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à prêcher, hein, à prêcher. Entendu au dernier festival d'humour Toseka en juin 2013 à Kinshasa, ce détournement du célèbre dicton de Confucius résume bien la situation des églises de réveil en RDC. Aujourd'hui, une église rapporte plus qu'une boîte de nuit, assure Mwingi Hamza Bajoko, anthropologue et opposant politique. Les fidèles sont prêts à se priver pour donner de l'argent à leur berger. Ils considèrent ce sacrifice comme un acte de foi et espèrent en retour contracter un mariage, trouver un emploi, voire obtenir un visa pour l'Europe. Dans les faits, ce sont bien sûr les pasteurs qui s'enrichissent au point de s'acheter villa, belle voiture. Un exemple, Pascal Mukuna, que beaucoup connaissent au Congo là-bas, qui est devenu un grand bishop, qui dénonçait les autres pasteurs parce qu'il était sincère certainement à l'époque, mais aujourd'hui il est devenu un homme, mes amis, divorcé, remarié, faisant chanter des musiciens profanes, païens. C'est la confusion totale, la confusion totale. Hein? Donc ce monsieur ne roule qu'en Lincoln Navigator, tantôt en version blanche, tantôt en version noire. Le prix d'un tel véhicule, pas moins de 55 000 euros. Une telle vitrine explique pourquoi les églises de réveil poussent comme des champignons dans la capitale congolaise. On en compte jusqu'à 2 ou 3 par rue. Ça, c'est encore petit, c'est encore peu. Il y en a plus que ça. Hein, tous les 100 mètres, il y a presque maintenant une boutique. Impossible de connaître leur nombre exact. Ça, c'est vrai. Certaines sont enregistrées auprès de l'hôtel de ville en tant qu'association à but non lucratif, comme l'impose la loi, mais d'autres restent dans l'informel, admet un fonctionnaire municipal à Kinshasa. Créer une église est devenu une sorte de débouché sur le marché du travail. Le phénomène s'est développé au début des années 1970 avec le mouvement du renouveau charismatique apparu au sein des églises traditionnelles.
décrypte l'abbé Gilbert Nshimba, docteur en théologie et professeur de sociologie de religion. Les adeptes de ce courant, gagnés par les enseignements pentecôtistes, se sont détachés du catholicisme pour lancer des églises dites de réveil. Le pasteur y occupe une place prépondérante dans la vie du fidèle. Et effectivement, il est devenu le dieu du pasteur, des fidèles, c'est-à-dire celui qui organise tout. Tout. Celui qui sauve, non plus les sacrements. Alors ça, c'est encore, les sacrements non plus ne sauvent pas, c'est sûr. Voilà. Le docteur en théologie, là, lui aussi, il est à côté. Cette tendance a pris de l'ampleur autour des années 1990, après l'échec des politiques d'ajustement structurel imposées par les institutions de Bretton Woods. La grogne sociale est à son comble. Le peuple a perdu toute confiance en l'État et se tourne vers la religion. De nouvelles églises se développent, issues de la fois de mouvements évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et prophétiques. Dans un pays à fort taux de chômage, créer une église est vite devenu une sorte de débouché sur le marché du travail pour certains jeunes diplômés en quête d'emploi, observe Mélanie Soiron-Fallu, anthropologue spécialiste de mouvements religieux en Afrique centrale. Le statut du pasteur confère une position importante dans la société, dans la mesure où la vie sociale de beaucoup d'adeptes tourne autour de l'église, devenue le nouveau lieu de sociabilité. On y va plus seulement le dimanche, mais 3 ou 4 fois par semaine. Là, c'est un mot. C'est-à-dire, les gens sont avilis. Du matin au soir, du lundi au lundi, ils sont dans ces bâtiments qu'on appelle l'église. Donc du coup, les gens n'ont plus de jugeote, ils n'ont plus d'intelligence, ils n'ont plus le temps de se créer de petits emplois, hein, de chercher du boulot, parce qu'on leur dit, tout va tomber du ciel, ils n'ont qu'à donner l'argent, et puis l'argent va tomber du ciel. Ils n'ont qu'à payer la dîme, ils vont avoir les richesses. Voilà ce qu'on leur fait comprendre. C'est-à-dire, ils sont avilis, alors que parmi ces fidèles, il y a des hommes et des femmes intelligents, et tout ça. Et c'est impressionnant. Donc il y a eu on occupe la pensée de ces fidèles du matin au soir, du lundi au dimanche. Ils n'ont plus le temps de penser à leurs femmes, de penser à leurs enfants, de penser à leurs maris, pour ces femmes qui sont soi-disant les secrétaires de ces bishops et qui d'ailleurs deviennent pour la plupart des maîtresses de ces bishops, hein, des premières, deuxième, quatrième, cinquième bureaux, comme on les appelle là-bas, c'est des maîtresses. Et donc les gens sont complètement, ça y est, il y a une on fait activité sur activité, et donc du coup les gens ne réfléchissent plus. Voilà. On ne va plus seulement le dimanche, mais 3 ou 4 fois par semaine. Le leader religieux est désormais considéré comme le relais social qui remplace la famille et surtout les structures étatiques défaillantes. Pour conserver cette emprise, les pasteurs multiplient les initiatives, campagnes d'évangélisation, journées de guérison, veillées de prière. La conquête des esprits prend des allures de compétition entre prédicateurs, ça c'est sûr, qui n'hésitent plus à lancer des chaînes de radio ou de télévision pour se faire connaître et grossir les rangs de leurs fidèles. Plus ceux-ci seront nombreux, plus les bénédictions qui s'achètent à prix d'or lors de grands rassemblements de prières dans les stades seront rentables. Huile miraculeuse, bouteille de vin porte-bonheur, Bible bénie, stylo de réussite, ces prédicateurs promettent tout et n'importe quoi pourvu qu'ils y trouvent leur compte, à savoir bijoux et liasses de billets. Les politiques courtisent les leaders religieux. Leur influence sans cesse grandissante dans la société n'échappe pas au radar des politiques. Les pasteurs sont écoutés par leurs ouailles, drainent de foule, remplissent des stades. Mieux vaut les avoir avec vous plutôt que contre vous, reconnaît un élu de Kinshasa. Et ça c'est vrai. Même les élus, hein, ont peur de certains pasteurs parce qu'ils sont tellement devenus influents. Hein. Moi-même, je suis constamment menacé par eux. Ainsi, en fonction de leur ascendant, les leaders religieux sont plus ou moins courtisés par la classe politique. Il existe désormais des pasteurs proches du pouvoir et de ceux de l'opposition. Pour peser davantage, ils se sont regroupés dans des plateformes. Alors ça, c'est terrible. C'est vraiment des synagogues de Satan, leurs plateformes. La structure la plus ancienne, Église de réveil du Congo, se dit le partenaire social incontournable du gouvernement. C'est la confusion. Que des généraux, des autorités soient touchés, c'est biblique, on bénit Dieu. Mais de là à aller s'engager dans la politique, ça c'est autre chose. Ce n'est pas la mission de l'Église. L'Alliance mondiale des églises chrétiennes est présidée par Pascal Mukuna, réputé proche du maire, Marie-Olive Lembes, dit Sita, l'épouse du chef de l'État, et le haut commissaire des églises de réveil charismatique et autres comptes
parmi ses anciens responsables. C'est la confusion totale, totale. C'est-à-dire, c'est vraiment la fin, mes amis. Un pays béni par Dieu qui est devenu, mes amis, aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde. Les Congolais sont devenus, mes amis, un peuple pratiquement sans patrie, se retrouvant dans toutes les nations et, mes amis, chassés pour chasser. Et alors que c'est un pays que Dieu a béni. Et tout ça, mes amis, pourquoi? Parce que nos dirigeants religieux, hein, parce que le problème, ce n'est pas tant les hommes politiques, c'est d'abord le côté église. C'est ça notre combat, c'est ça notre problème. Parce que nous, chrétiens, nous avons reçu la parole pour éclairer, pour prier pour les autorités, pour prier dans la, pour dire la vérité aux autorités. Comme la parole le dit dans 1 Timothée 2, nous devons prier pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Et là, ces bishops, ces archibishops ont vendu la vérité, hein, pour de l'argent. Pour de l'argent, contre de l'argent. Et c'est la confusion totale. Et regardez un peu certaines images. On va descendre encore un peu là, mes amis. Une Jeep de 250, de 25 000 euros contre la promesse de figurer dans le gouvernement. Car le mélange des genres comporte des risques. Depuis avril 2013, le prophète des nations, Denis Lessy, est ainsi poursuivi pour rançonnement, hein, rançonnement de hautes autorités. Alors lui, c'est un fumeur de chanvre, c'est un impudique, hein, et il est quand même dirigeant d'une grande association des pasteurs, et il collabore avec les autres pasteurs là-bas. Vous voyez, c'est vraiment un peuple qui, ce pays est devenu sans vision. Ce pays, mes amis, est comme frappé, et même pas comme, est frappé par le Seigneur. Carrément. C'est la confusion totale. Totale. Et il faut, ce pays a besoin des prophètes. Des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur et qui vont dire la vérité à tous ces pasteurs, à tous ces bishops. Je dis bien notre problème, ce sont les hommes d'église. Pour qu'il, le peuple, mes amis, doit comprendre que le problème de ce pays, c'est l'église que Dieu a suscitée. En 86, dans les années 80, il y avait un puissant réveil. Un puissant réveil. D'abord, Dieu a envoyé, mes amis, dans les années 30, années 20 et 30, 40, un grand prophète, Simon Kimbangu, qui n'a pas créé le kimbanguisme. Ce sont ses enfants qui ont créé cette secte. Ce prophète a servi Dieu honnêtement. Mais qu'est-ce que se passe? Beaucoup de Congolais l'ont transformé en Dieu. Voyez le peuple est idolâtre. Ils l'adorent. Ils disent que c'est Dieu. Dieu le Père. Et ces enfants qui sont encore en vie, on dit que ce sont la deuxième et troisième personne de la Trinité. On se met à genoux devant eux, on les adore. Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas un tel pays? C'est grave. Et au lieu que les églises de réveil, les églises qui sont censées être réveillées, parce que le réveil c'est une prise de conscience, c'est quand on réalise qu'on a marché contre la parole de Dieu, maintenant il faut revenir dessus. Revenir à la parole, ces églises de réveil ont aussi érigé des divinités, hommes, qui sont adulés, adorés, et qui acceptent volontairement l'idolâtrie de leurs fidèles. C'est grave. C'est grave. Mes amis, on va voir. On continue dans les images. On va montrer un peu les bishops là-bas, hein, des églises de réveil. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous aide, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Seigneur, sauve-nous. Donc, et on voit, comme Jérémie l'a dit, les prophètes prophétisent avec sur du vin, ils vont prophétiser parce qu'ils sont ivres, et le peuple acclame cela. Hein. Nous avons par exemple ce monsieur, voilà, donc on ne veut pas trop mettre leur nom ici, là, mes amis, là, comme on avait déjà dit, là, hein, qui se présente comme l'apôtre du réveil de la RDC, Soutane, voilà, Soutane est habillé comme parce qu'on ne veut pas faire la pub des gens ici là, on veut vraiment juste montrer ce qui se passe. Et voyez, regardez-moi sur l'image là, sur la gauche vous avez le président de la pastorale congolaise. À droite, vous avez le pape.
à gauche le président de la pastorale congolaise de France, à droite vous avez le pape. Dites-moi, où est la différence? Où est la différence? Et à gauche, il se dit président, hein, de la pastorale congolaise. Moi, je ne sais pas dans la Bible si on a trouvé des titres président, des pasteurs. Je n'ai pas vu ça. Et ensuite, il se dit être pasteur d'une église de réveil. Et à côté, vous avez le pape, église catholique romaine. Maintenant, où est la différence sur le plan vestimentaire d'abord? C'est la même chose. Donc, autant retourner au Vatican. Deuxièmement, sur le plan fonctionnement, c'est la même chose. Donc, vous voyez la confusion. Je ne dis pas que d'autres peuples ne font pas ça. Mais je parle ce soir de la RDC parce que Dieu m'a mis à cœur de parler de la RDC parce que ce pays, hein, souffre beaucoup. Ce peuple gémit depuis des années, plus de 40 ans de souffrance. Et Dieu veut se révéler de nouveau à ce peuple et il nous appelle tous à la repentance, à la conversion authentique. Il y aura d'autres pays certainement. Parce que Dieu nous interpelle, Dieu interpelle les nations. Il y a eu beaucoup de gens dans la Bible qui ont prophétisé sur l'Égypte, qui ont prophétisé sur Damas, qui ont prophétisé sur des pays. Donc, et on n'est pas les premiers, et je le dis bien, je ne suis pas prophète. Voilà, Dieu m'a dit de crier simplement. Donc, voyez la confusion qui règne. C'est la confusion totale. Quelqu'un qui vient, qui se présente comme le père des églises de réveil de la RDC, il est habillé comme le pape, il couche avec des jeunes filles. Il prend l'argent des gens, il vole les gens, il fait de la prison, il sort de la prison, 8 ans après, le peuple congolais l'adore. Mais il ne faut même pas la distinction entre le bon, le bien et le mal. Il ne se rend même pas compte quand, il ne discerne même pas quand Dieu frappe quelqu'un au lieu de se repentir. C'est la confusion. Et qui peut parler? Qui peut tirer, sonner le chauffard, la trompette? Beaucoup ont peur. Seigneur, sauve-nous. Donc, nous avons ce monsieur habillé comme ça. Il se présente comme l'archibishop, l'apôtre du réveil de la RDC. Quel réveil? Jésus, notre maître, a-t-il porté des toges comme ça, soutane, une tiare comme ça? C'est la confusion totale. La confusion totale. Totale. Donc vous voyez, ce sont les églises qui ont reçu le message du retour à la parole. Ces bishops, ces archibishops, ces prophètes, ces apôtres congolais, ces pasteurs congolais qui ont vendu la vérité. Qui ont introduit, notamment ce monsieur, l'évangile de la prospérité au Congo RDC, qu'il a copié aux Américains et aux Nigériens, importé au Congo RDC, enseignant aux gens que ceux qui ne sont pas bénis matériellement sont maudits, que ceux qui n'ont pas de belles chaussures sont maudits, ceux qui n'ont pas de beaux costumes sont maudits, ceux qui n'ont pas de belles voitures sont maudits. Voilà cet évangile qui est rentré au Congo RDC, hein, dans les années 80 et 90 et qui a fait des ravages comme pas possible. Je dis bien le problème, ce ne sont pas les hommes politiques, parce que nous qui sommes l'Église, c'est à nous de leur apporter l'Évangile. C'est à nous de leur montrer, n'est-ce pas, comment vivre, comment être intègre par notre vie sanctifiée, par notre vie de couple modèle. Mais quand on voit des pasteurs divorcés, remariés, comment voulez-vous que ces hommes soient, mes amis, aidés, correctement conseillés? Que Dieu nous aide. Le roi Nebuchadnezzar a pu changer de langage parce qu'il a vu le témoignage de Shadrach, Meshach, Abednego. Même si les nations vont se paganiser de plus en plus, mais il y a quand même des personnes que le Seigneur veut sauver. Il y a quand même des rois, des présidents que Dieu veut sauver. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes l'Église, nous avons le mandat d'être corrects. Et vous allez voir que de toutes ces églises-là, ces églises et ces boutiques, je dirais, avec autant d'argent amassé, il n'y en a pratiquement aucune qui a construit un orphelinat, qui a construit, n'est-ce pas, des centres pour les veuves. Parce que, pour votre information, il y a beaucoup de femmes, des femmes âgées au Congo RDC, qui sont des veuves hein, notamment, qui dorment sur les marchés et qui sont violées tous les jours par les enfants de la rue. On va montrer d'autres images, s'il vous plaît. On va tourner quand même avec les images.
Nous avons ici le pasteur, un des pasteurs très connus là-bas. Donc, bien sûr, je vais citer son nom, pas de problème, Okuna. Qui va faire la publicité de la boisson Primus, de la bière Primus. Et regardez ce que Michée chapitre 2, verset 11 dit. C'est la confusion totale. Et il a une équipe de foot. La confusion totale. Oh Seigneur, sauve-nous. Si un homme court après le vent et débite de mensonges en disant, je te prophétiserai sur du vin et les boissons fortes, ce sera le prophète de ce peuple. Vous voyez, les Écritures s'accomplissent. Il boit de la bière et il fait la publicité de la bière Primus. Alors ça, c'est une des distractions qui avilissent, mes amis, les Congolais, qui les abrutissent. C'est la bière. Avec tous ces bars qui sont, mes amis, qui poussent comme des champignons avec une musique, mes amis, vraiment très très forte. Hein, des bruits très très forts. Et tous les 400 mètres, pratiquement dans chaque rue, vous avez des bars comme ça. Et avec la bière, ben, on abrutit complètement les gens, comme les Indiens dans les réserves canadiennes et américaines. On leur donne de la boisson pour pas qu'ils pensent, pour qu'ils se saoulent, qu'ils ne pensent à rien. Voilà. Et ce sont des pasteurs, notamment ce monsieur qui est très connu là-bas au Congo et qui est très influent dans les assemblées partout et qui va, n'est-ce pas, montrer la voie de la perdition à mon peuple. Comment voulez-vous que je me taise? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu fais jouer des musiciens profanes dans un grand stade là-bas parce qu'il a une équipe de foot qu'il dirige. C'est la confusion totale. Totale. De là à faire la publicité de l'alcool. Là, c'est faux. En tant que pasteur, mais il faut avoir atteint un niveau, mes amis, de confusion telle que plus rien ne l'arrête, il n'y a plus de frein. Hein, on continue dans les images, là, c'est possible. Hein. Voilà, donc on va vous montrer d'abord la dégradation des mœurs dans les églises congolaises, hein, la paganisation de ces églises, de ces dirigeants, hein, de ces religieux. C'est l'apostasie totale, c'est la disparition de la vérité, la confusion. Et ce sont eux qui font des appels de fonds pour construire des églises qui coûtent 1 million, hein, dans un pays où les gens, le salaire minimum, mes amis, n'est même pas de 30 dollars. Même pas 30 dollars. Et on va demander 1 million pour construire un temple à la gloire de l'homme de Dieu. Quelle confusion, ils n'ont même plus honte. Tout ça pour avoir des méga-churches. Hein? Méga-church dit beaucoup de dîmes, beaucoup d'argent. Et oh Seigneur, sauve ce pays. Donc voilà, nous avons ici... ça, c'est des images des églises de réveil, ça. Donc, c'est l'autre église, là. C'est l'église romaine. Quoique, ils sont tous pareils aujourd'hui, maintenant, là, ces dirigeants. Voilà. Donc, Fungula Masolo, en lingala, veut dire ouvrons le débat. Hein? En buvant cette bière. Tu vas beaucoup parler, parler, parler. Voilà, en gros. Et ça, c'est un bishop qui est à la base de cette publicité. Cette publicité. C'est la confusion totale. Seigneur, sauve-nous. Voilà. Sauve-nous. Divorcé, remarié, hein, en tant que prédicateur, en tant que pasteur. Tout ça, tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas de problème. Tous ces bishops, la plupart, ils ont divorcé, remarié. Et c'est la confusion totale. Totale. Et Seigneur, sauve-nous. On continue dans les images. Là, on va montrer toujours les églises paganisées, là, mes amis. Là, s'il y a des reportages, là, on va mettre tout ça, là, si c'est possible. Hein? Parce que les églisettes, là, d'abord, parce que quand on dit qu'un pays est frappé à cause du péché des pasteurs, des dirigeants religieux, chrétiens, il faut qu'on vous montre également ce qu'ils font, ce qui se passe. Entre ces pasteurs qui se masturbent sur Internet, hein, ces masturbateurs,
devant les femmes et sur Internet, sur Skype, et ceux qui divorcent, qui se remarient. C'est la confusion totale. L'église du Congo a perdu sa vision. Voilà les panneaux publicitaires que l'on voit, n'est-ce pas? On va remontrer, ramener cette image-là, s'il vous plaît. Ils ont des grands panneaux au Congo RDC, tels des stars. Hein? Voilà. C'est la confusion totale. Regardez-moi cette affiche. Hein? Vous avez vu Paul faire ça? Vous avez vu Pierre faire ça? Et la plupart font ça. Hein? Dans un pays aussi frappé par la pauvreté, alors que Dieu l'a béni. Et regardez-moi ces grandes stars. Hein? Lunettes de soleil, pose. C'est la confusion totale. Seigneur, sauve cette nation-là. C'est la confusion totale. Totale. Ceux qui sont censés éduquer le peuple, ils ne sont pas éduqués. On continue dans les images, s'il vous plaît. Ça, c'est en plus, ce sont des païens qui montrent ces images-là parce qu'ils ont, ils n'en peuvent plus. Dieu se sert même des païens pour corriger ces églises. Hein? Comme il a utilisé la nef de Balaam pour arrêter la folie du prophète. Comme il s'est servi d'un coq hein, pour arrêter la folie de Pierre. Là, vous avez un pasteur qui a épousé près de 9 femmes. Hein? 9 femmes. Et qui prêche la polygamie. Hein, il y a des femmes qui ont l'âge de ses enfants. C'est la confusion totale. Et tout ça, c'est un pasteur qui a épousé 3 femmes en même temps. Mais il y en a un autre qui en a épousé 9. Voilà. Donc ça, c'est un pasteur là que vous avez là, mes amis, là, au Congo RDC. Voilà les choses qui se passent. Vous ne verrez pas ça en France. Vous vous rendez compte? Ils osent parler de la France comme étant un pays athée. Oh, les Français ne veulent pas de Jésus. Les Français, vous parlez comme ça, alors que c'est vous qui avez reçu cet éclairage-là aussi. Là. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, au moins, il y a des règles. Il y a des règles en Europe. Il y a des règles en France. Mais là, il n'y a plus de règles. Là. Un pays qui accepte ce genre de choses, c'est la confusion totale, mes amis. La confusion totale. Hmm? On va où? Vous avez vu? Alors que la Bible est claire. Dans 1 Timothée 3, l'évêque doit être le mari d'une seule femme. Il doit avoir été marié une seule fois. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. L'évêque doit avoir été le mari d'une seule femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et là, c'est la confusion totale. Hmm? Vous voyez comment ils sont, comment on adore les prophétesses là-bas? Comment ils adorent les prophètes et les prophétesses? Hmm? On tourne encore les images, là, c'est la confusion totale. Donc, comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas? Hmm? Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas? Comment voulez-vous que l'esprit de léopard qui dirige ce pays soit chassé si l'église est complètement contaminée comme ça? Parce que pour qu'il y ait un changement physique, il faut qu'il y ait une victoire dans le monde spirituel. Hmm? On va balancer cette vidéo. Vous allez voir cette image là, mes amis. Ce soir, on est là. C'est une soirée spéciale pour dénoncer les églises au Congo RDC. Et alors que Dieu a béni cette nation. Pour que les enfants soient nettoyés. Alors, je ne sais pas s'il y a le son. Pour que la sorcellerie prenne fin auprès des enfants. Pour que le diable s'en aille. Les parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Je suis le Christ. 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 Je suis le Christ.
Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là, là où il y a quelqu'un, là où il y a deux personnes assises sur la natte, oui. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui l'est possédé, qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui, le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière. N'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. Un Bujimaï, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Bujimaï est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule danse vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis, les voitures ici sont rares. Et partout, des églises, innombrables, tonitruantes. Bujimaï est la capitale du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces du Congo. Une large capitale, dynamique, en plein développement. Mais où l'eau, comme l'électricité, manque souvent. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs alignent leur fortune. Bujimaï est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Voilà, mes amis, donc on est revenu sur le plateau. C'est quelques images que nous avons pu retrouver ici. Il y en a beaucoup hein, qu'on a pu trouver. Voilà, donc en fait, c'est vraiment cette confusion dans laquelle se trouvent beaucoup de chrétiens au Congo RDC, alors que beaucoup parmi ces gens aiment Dieu, cherchent Dieu réellement, mais la situation économique du pays est telle que, eh ben, il y a beaucoup de prédicateurs qui se sont autoproclamés et ils influencent énormément le peuple. Ils se font beaucoup d'argent sur le dos des chrétiens, leur promettant merveilles, miracles, guérisons, voyages, visas, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, les amis, le peuple se fait avoir. Et donc il y a vraiment un malaise. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas, que Dieu n'intervienne pas, en voyant l'état, mes amis, l'état de nos églises au Congo RDC? Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas avec autant de richesses? On parlera aussi, mes amis, dans les prochains jours, de l'église en Côte d'Ivoire, de l'église aux États-Unis, notamment. On va parler de toutes ces choses-là parce que c'est important que vous voyez, vous compreniez, vous saisissiez, mes amis, la pensée du Seigneur, que vous voyez ce qui se passe également ici et là. Voilà. Donc, Esaïe a beaucoup pleuré pour son pays également.
dans Ésaïe chapitre 1, pendant que je cherche ce passage, l'équipe va nous chercher encore d'autres images. Et Dieu dit dans Ésaïe 1, 21, ça c'est Jérémie, c'est Ésaïe qui dit, comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Oui, la RDC, notamment Kinshasa, est devenue une prostituée. Je parle de l'église, bien sûr, au Congo-Kinshasa. Elle était pleine de droiture et la justice y habitait. Mais maintenant, elle est pleine de meurtriers. Ton argent s'est changé en scorie. Ton breuvage est mêlé d'eau. Les chefs de ton peuple sont rebelles et compagnons de voleurs. Chacun d'eux aime les présents. Ils courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient point devant eux. Ben oui, ils aiment les présents. Ils aiment les présents. Ils enseignent même aux chrétiens qu'on ne peut pas paraître devant l'homme de Dieu les mains vides. Ils ont inventé une offrande qu'ils appellent l'offrande du prophète. Ils veulent avoir des millions pour construire des grands bâtiments qu'on appelle église, qu'ils appellent église, alors que l'église a déjà été bâtie. Vous vous rendez compte? Aller demander 1 million à ce peuple qui n'a même pas un salaire, qui ne gagne même pas 30 euros par mois. Demander 1 million pour construire un bâtiment à la gloire de l'homme de Dieu. Et on ose faire croire aux gens qu'on enseigne, qu'on prêche la sanctification, tout en étant collaborateur des pasteurs impies. Mais ils sont devenus très rusés au Congo RDC, ces prédicateurs. Ils aiment s'habiller en blanc pour certains. Ils aiment parler, il y en a qui vont parler de la sanctification, mais ils ne vivent pas la sanctification parce que la sanctification c'est la séparation avec les mauvaises compagnies, mais ils sont toujours avec ces faux pasteurs, avec des voleurs. Donc, Satan aussi prêche la sanctification, mais il ne la vit pas. Nous avons eu d'autres images, là on va nous balancer ces images. On va y aller. Je vois beaucoup de malheur en toi. Un brouillard dans ta tête que je vais chasser. En maître de cérémonie, l'homme à la cape de couleur verte, un pasteur qui se fait appeler le prophète Seda. Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi de pouvoir magique permettant de guérir ses fidèles. Les guérisons dites miraculeuses s'enchaînent. Par un tour de passe-passe, le prophète sort le mal qui était entré dans cet homme. Un noyau de couleur sombre qui empoisonnerait son pied depuis des semaines. Ici, chacun repart avec l'objet de tous les malheurs. Puis vient le tour des enfants. Ce petit garçon de 6 ans aurait été ensorcelé par sa belle-mère. Elle lui aurait fait manger de la chair de lion. Et comme par magie, un morceau de viande apparaît. Ici, tout le monde y croit. Voici la chair que le prophète a enlevée. Il ne m'a pas dit d'où ça venait. Mais je sais que ce sont des puissances maléfiques qui ont mis cette chose dans le corps de mon fils. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est de la magie? Non. J'ai vraiment retiré ce que les démons avaient mis à l'intérieur des gens. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, moi, le prophète Seda, pour que tous ces gens soient guéris. La Nouvelle Alliance, c'est le nom de son église, regroupe une cinquantaine de fidèles dans ce quartier pauvre de la banlieue de Kinshasa. Dans ce pays où l'on pratique depuis toujours le fétichisme et la magie noire, ces lieux de culte, appelés églises de réveil, font un carton. Voilà, ça c'est ce monsieur qui se fait sortir des objets, des corps, et beaucoup imité aujourd'hui, au point où même les prophètes, les pasteurs qui craignaient Dieu dans le passé,
commence aussi à procéder de la même manière en faisant sortir des objets, hein, des corps des gens. Il y en a même un qui sort, qui se fait sortir carrément des lézards, hein, des corps, des lézards, des cafards. Ils sont dans une telle confusion, mes amis, là, que l'on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Où est le réveil que ce pays a connu? Ce pays qui a reçu la mission de propager l'évangile avec toute cette richesse que le Seigneur lui a donnée. Mais où est l'église de la RDC? Où est l'église chrétienne de la RDC? Où sont les chantres véritables? Les chantres comme David, comme les enfants de Corée, qui ont des grâces, qui avaient des grâces par rapport au chant, en même temps prédicateur, en même temps prophète. Mais ces chantres au niveau de la RDC, mes amis, ont pollué beaucoup de chantres au niveau de l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, devenant ainsi des stars, chantant avec des chantres, des musiciens profanes. C'est la confusion, vendant leurs albums à une population qui n'a pas de quoi manger, vendant l'entrée de leurs concerts. On va trouver les concerts de chantres congolais là-bas, mes amis, 60 euros, 60 dollars, hein, dans des grands hôtels. C'est la confusion totale, mais totale, divorce, remariage chez les chantres chrétiens congolais, mais n'en parle même pas. N'en parle même pas. C'est la confusion. Ils sont dans une telle confusion que l'on se demande, mes amis, si ces gens ne sont pas, mes amis, carrément, il y en a en tout cas, ils ont atteint le point de non-retour. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Tous les chants de David étaient gratuits. C'est des chants que Dieu leur donnait. Des inspirations divines. Eux, ils en ont fait un commerce. On va lire ce que le texte là que vous nous avez mis. Donc, on montre d'abord l'état des églises. Hein, parce que c'est à cause des églises que le pays est dans cet état. Parce que, mes amis, quand l'église est debout dans une nation, et la nation est fortifiée. Proverbe 11 nous dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Voilà, elle est renversée par les faux, par les méchants. Donc si l'église congolaise était debout, beaucoup de choses, mes amis, seraient différentes. Ça, je vous le dis, parce que les Écritures le disent. Parce que ce pays, regardez bien ce pays, comment il est positionné en Afrique. Vous avez vu, il est presque au centre. C'est le cœur de l'Afrique. Voyez, c'est le cœur de l'Afrique. Dieu l'a positionné, c'est-à-dire il occupe une position stratégique. Une position stratégique par rapport à d'autres pays. Vous avez vu? Avec plusieurs frontières, plusieurs nations alentour. Vous avez le Congo-Brazza, vous avez l'Ouganda, le Rwanda, vous avez le Soudan, vous avez la Centrafrique, vous avez, mes amis, il y a plusieurs pays tout autour de cette nation-là. Hein, la Tanzanie, tout ça. Donc c'est quand même un pays que Dieu a positionné stratégiquement pour que l'évangile soit propagé, pour que, mes amis, ces hommes, ces femmes, ces enfants de cette nation partent comme des colombes. Hein, dans toute l'Afrique, pour illuminer l'Afrique, et pour ensuite d'autres nations africaines aillent apporter aussi l'évangile. Nous avons reçu l'évangile avec les missionnaires catholiques, mais un évangile trafiqué, bien sûr, par les colons, un évangile falsifié, plutôt la religion qui nous a été imposée. Maintenant, Dieu a visité l'Afrique, notamment la RDC, pour qu'à son tour, cette nation avec ses richesses aille, envoie des missionnaires pour partager l'évangile, pour annoncer le retour du Mashiach. Et donc, cette mission a été compromise. Regardez les nations qui sont autour de ce beau pays. Nous avons, premièrement, la Centrafrique. Deuxièmement, nous avons la République du Congo. Troisièmement, nous avons l'Angola. Quatrièmement, nous avons la Zambie. Cinquièmement, nous avons la Tanzanie. Sixièmement, nous avons le Burundi. Septièmement, le Rwanda. Huit, nous avons l'Ouganda. 9, nous avons le Soudan. Et vous rendez compte? Il y a au moins 9 pays. 9 pays.
tout autour de la RDC. 9 pays. C'est quand même assez impressionnant. C'est le cœur de l'Afrique. Et quelle est sa mission? La mission de la RDC, je vous le dis, Congolais, mes frères et sœurs, la mission que Dieu nous a confiée, c'est la mission d'apporter l'évangile. La plupart, vous savez, c'est une grande diaspora dans le monde, la RDC. Après, les Juifs, mes amis, on trouve des Congolais dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans la médecine, on y trouve des médecins, des docteurs congolais partout, des professeurs, des grands footballeurs, des visionnaires, des grands médecins, partout, dans le monde, partout. Vous allez en Chine, vous allez voir des Congolais, vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez au Cambodge, vous allez partout, il y a des Congolais. C'est un peuple missionnaire. Mais un peuple, malheureusement, qui a perdu la vision. Un peuple qui a perdu la vision que Dieu lui a confiée. Nous avons des grands intellectuels que Dieu a donné, des hommes et des femmes intelligents, des grands inventeurs, pour votre information, mais qui ne sont pas bien sûr soutenus, qui vont dans les églises pour prier, on va encore leur extorquer de l'argent par ces bishops. Ils ne vont même pas investir financièrement, matériellement dans leur vie pour les aider. La cause des orphelins ne vient même pas à leur esprit. Vous avez le nombre d'orphelins qu'on a au Congo RDC suite à la guerre, on va vous montrer ces choses-là. Je ne sais pas si l'équipe nous a trouvé encore des choses. Seigneur, sauve-nous. Donc déjà, l'ennemi se sert de ces églises pour avilir, pour abrutir les gens. Il se sert aussi de la sapologie. On va nous montrer quelques images. Là, voilà, ce peuple est devenu un peuple de la sapologie, c'est-à-dire l'accent est mis sur la tenue vestimentaire, sur les vêtements, avec ces musiciens profanes. Tout ça là, qui sont à la base de cette sapologie qui est devenue une religion. Donc le peuple est complètement abruti. Donc les églises les avilissent. Des églises plutôt, parce que les vraies églises enseignent la vérité quand même là-bas. Il y en a très peu, mais il y en a quand même. Mais la plupart de ces églises là rendent idiot le peuple. Voilà. Et ensuite la musique profane avec ces danseuses nues. Avec ces danseuses nues, vous savez, on ne trouve même pas en France. C'est rare de trouver un musicien français qui fait danser des femmes comme ça. Comme font danser de nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, comme font danser nos sœurs par ces musiciens profanes. Ils le font danser presque nus. Notamment ce musicien qui est mort sur scène, dansant au milieu de prostituées, pratiquement ces femmes dénudées. Et on ose dire qu'il était chrétien, qu'il est au ciel. C'est la confusion totale. Et qui sont ceux qui parlent comme ça? Des présidents des pastorales congolaises. C'est la confusion totale. Des chantres. Un peuple qui n'a plus de moralité. Il fut un temps où nos sœurs s'habillaient décemment, là, se couvraient. Aujourd'hui, on montre leur nudité pratiquement là. Donc les orphelins, voilà, au Congo. En République démocratique du Congo, près de 11% de la population enfantine totale est orpheline. 11%, c'est énorme. En raison de la guerre dans l'est du pays, ou de la malnutrition, de la pauvreté, de la maladie et de la médiocrité des soins de santé en milieu rural. Alors que le sida endémique a rendu orphelin plus de 170 000 enfants, le paludisme demeure la plus grande menace. La capitale est remplie d'enfants qui mendient, appelés chégué, dont beaucoup sont orphelins. Regardez ces enfants-là. On en avait aussi beaucoup. On en a aussi là-bas des orphelins. On a construit un orphelinat là-bas. Et une sœur avec un couple qui prie avec nous, le Seigneur les a bénis. Les frères sont donné l'argent, ils ont acheté un terrain, ils ont construit une maison pour les veuves avec plus de 150 veuves qui sont logées sur place, nourries. Mais les bishops là, sur place, ils font quoi, tous ces enfants là? Ils font quoi? Regardez, donc Machingo à gauche et James à droite, eux aussi auraient très bien pu finir dans la rue comme tant d'autres enfants. Alors que James était encore un bébé dans les bras de sa mère, un camion a roulé sur sa serre Machingo.
Heureusement, le petit corps de Machingo fut retrouvé entre les roues, sain et sauf. Malheureusement, dans un moment de panique, leur mère se jeta sous le camion pour sauver sa fille. Elle réussit, mais il perdit sa propre vie car le conducteur roula sur la maman par inadvertance. Elle est décédée dans l'agonie quelques heures plus tard. Le père de Machingo et de James les avait abandonnés bien avant la naissance de James en raison de la pauvreté, du désespoir et de l'incapacité de prendre soin de sa famille, un scénario bien trop fréquent dans cette partie du monde. Voyez, ces orphelins-là, on en fait quoi là-bas? Les églises, elles font quoi? Ben, elles sont dans de gros 4x4, ces bishops. Elles demandent, ces pasteurs demandent des cotisations, des appels de fonds de 1 700 000 euros. 1 million pour construire quoi? Des bâtiments à leur propre gloire. Hein? C'est les méga church à l'américaine qu'ils veulent. Et les orphelins, oh, ils leur donnent la nourriture de temps à autre pour certains pasteurs, pour soulager leur conscience. Mais il faut construire les écoles pour éduquer ces enfants. Il faut construire des orphelinats pour aider ces enfants. Au lieu de construire des grands bâtiments pour enfermer encore plus de victimes. Vous ne pouvez pas voir des petites assemblées ici et là, normalement. Comme la parole le dit, et former les gens et les laisser. Non, il faut absolument trouver des grands terrains, construire des grands bâtiments à leur gloire, parce que c'est la compétition là-bas, vous vous imaginez. Avant, c'était la compétition par rapport à la chaîne de télé. Tout le monde voulait une chaîne de télé. Tout le monde voulait une radio. Maintenant, tout le monde veut construire absolument un grand temple, parce qu'ils se prennent pour des Salomon, alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. N'est-ce pas? Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. C'est la confusion. La confusion. D'autres images ici, hein? Ouais. En regain de la pratique religieuse qui sonne comme une échappatoire des pasteurs, profite de la crédulité de certains Congolais. Reportage chez les évangélistes de nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Renaud Iwa, Benoît Ormance et Régis Dorat. C'est un dimanche de prière à Kinshasa. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler une église du réveil. Il y en a des milliers du même type au Congo. Le révérend Thomas est pasteur dans cette paroisse qui surplombe la capitale congolaise. Son église regorge de paroissiens fervents. Tous cherchent apparemment dans la spiritualité une solution à leurs conditions de vie difficiles. Venez donner l'offrande de l'église. Le révérend Thomas est ce que l'on pourrait appeler un indépendant. Donnez avec joie. Son seul patron, c'est Dieu, dit-il. Mais ce sont bien sûr les paroissiens qui assurent ses revenus. Un véritable marchand de miracles, en quelque sorte. Maman, papa, je vous prie. Voilà, donc... j'ai vu une fois ce reportage, ça m'avait complètement outré. Complètement... Excusez-moi du terme, mais dégoûté. Voilà. Voilà, il ose prendre des bananes en plus d'une petite fille qui certainement n'a pas mangé ce jour-là, n'a pas mangé ce jour-là. Et ce bishop ose prendre ses bananes. Vous vous rendez compte que ces voleurs, les voleurs d'hier, les marabouts d'hier là-bas, les voyants d'hier sont devenus des bishops d'aujourd'hui. Voilà. Et comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas n'importe qui voudrait diriger ce pays béni par Dieu doit, mes amis, le consacrer à Dieu. Parce que c'est un pays à destinée prophétique. Avec une destinée prophétique. Donc l'église a un rôle à jouer pour cette nation parce que Dieu a béni cette nation pour l'évangélisation de l'Afrique. Parce que Yeshua revient. Voyez, mes amis, que Dieu nous aide. Regardez-moi ça. Église et temple de Dieu. Hein? Et c'est la confusion totale. Confusion totale. Donc, je crois que c'est un séminaire qui est organisé. Et l'entrée, $40. Et si vous arrivez à la porte, c'est 50, n'est-ce pas?
à la porte, hein, donc $50, et le billet VIP est disponible. Hein, donc billet VIP disponible, VIP. Alors que le Seigneur dit, si vous, oh mais c'est la confusion, si vous vous faites asseoir les vieux. Le Seigneur a dénoncé dans Jacques, hein, toutes ces pratiques, mais c'est la confusion totale. 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 Vous voyez? Alors, comment voulez-vous que Dieu n'intervienne pas? Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas? Vous avez... Voilà, ça c'est d'autres programmes là. Et entrer 5000 francs congolais, hein, au Shark Club, ça doit être un concert, célèbre les maires, hein, donc voilà, Vlisco. Donc on fait en même temps la marque de vêtements là, on fait la pub de la marque de vêtements, et c'est la confusion, c'est la confusion, hein, confusion. Hein? Boutique Vlisco, shop RTL, hein? RTL, donc c'est même les compagnies de téléphonie, tout ça. C'est la confusion, un mélange de choses. Mais Seigneur, mais cette église de la RDC, elle est où? Elle est où? Où sont les prophètes là-bas? Les prophètes sont des fumeurs de chanvre. Ce sont des gens qui mettent des produits pour éclaircir la peau. Les prophètes sont des gens qui font sortir des lézards du corps des gens. Les prophètes sont des gens qui ont des équipes de football, mes amis, faisant la pub de l'alcool. Les prophètes, les chantres, sont des gens qui sortent avec des pasteurs. C'est la confusion dans cette nation, la confusion totale, comme dans Ninive, comme dans Sodome et Gomorre. Et même ceux qui se disent journalistes, ils vont même interviewer ces pasteurs impudiques. C'est-à-dire, même eux qui sont censés éduquer les gens, ils sont devenus, mes amis, beaucoup plus abrutis encore que les autres. C'est la confusion totale. D'autres images, mes amis, là. La vente des CD, la vente des concerts, la vente des séminaires, de conférences, formations bibliques payantes. C'est la confusion totale. Totale. Vous avez vu? On va montrer l'aspect de l'église congolaise. Je ne dis pas que tous sont faux, hein, tous ces pasteurs. Il y en a qui sont vrais, mais ils sont cachés. Mais la plupart, laissez-moi vous dire ce soir, mes amis congolais, mes frères et sœurs, que j'aime beaucoup. La plupart de ces pasteurs grands-là, au Congo-Kinshasa, que vous connaissez là, même ceux qui sont de l'église pentecôtiste, là, tout ça là, ou qu'on appelle la borne, hein, la plupart là, c'est des impudiques, c'est des commerçants, il n'y a rien à faire. Je vous dis, les vrais pasteurs au Congo RDC sont cachés, ils sont encore en babouche. Ils ne viennent même pas encore en Europe. Ils sont, tout ce monde-là, vous voyez, les grands-là, sont des faux, sont des commerçants. Même quand ils parlent de la sanctification, ils sont mélangés, ils sont en collaboration avec les impies. Ils vont demander des cotisations de 1 million pour construire leur bâtiment. Ils sont tous pareils. Il y a des vrais, mais ils sont cachés comme à l'époque d'Élie. Ils sont cachés. Ils sont persécutés. Ils ne sont pas écoutés. Mais les autres, là, mes amis, là, les constructeurs de bâtiments comme Salomon, tout ça, là, mes amis, c'est de la fumée aux yeux du Seigneur. Voilà. Regardez-moi ça, mes amis. Célébration gospel. Donc, là, c'est combien l'entrée? 5000 francs congolais. 5000 francs congolais. Des voleurs. Voilà ce qu'ils disent au Congo RDC. Mieux vaut tuer l'enfant sorcier que lui, hein, vous tue. C'est quand même. On n'a pas des vidéos des orphelins là, au Congo, les enfants de la rue. Les vidéos des femmes qui sont violées, des femmes qui sont de guerre, la guerre, tout ça là. Et vous allez voir le contraste entre la souffrance du peuple, des femmes violées, des enfants dans la rue, des femmes veuves, des veuves dehors, violées, et ces pasteurs roulant des grosses véhicules, de gros véhicules, dans des villas piscines, dans des
qu'un pasteur ait une maison ou un frère, un chrétien, parce que Dieu l'a béni, ça c'est pas mon problème. Mais de là prendre l'argent de Dieu, de là aller avilir les gens, d'aller dépouiller les gens pour construire des maisons comme ça, ou pour avoir des grosses voitures comme ça, là il y a un problème. Ils pensent même pas aux autres. Rien. C'est ça qui fatigue. C'est ça qui amène le jugement du Seigneur, mes amis. C'est la confusion totale. Un peuple qui souffre, un peuple qui est violenté, une guerre qui dure depuis des années, qui a fait dans l'est du Congo RDC, plus de 10 millions de morts. À Béni, les images que vous va montrer là, risquent de choquer certaines personnes. Donc par rapport à vos enfants, peut-être il faudrait les éloigner de l'écran. Des gens massacrés comme pas possible. Et ces bishops, ils roulent carrosse. Ces bishops font des concerts payants, des entrées payantes, tout ça. C'est des séminaires payants. Mais c'est la confusion. Mais c'est la confusion totale. Vous me direz, frère, que faire? L'église doit faire quoi? Devrait faire quoi? Devait déjà, mes amis, prier pour la nation, pleurer pour la nation et quitter leur soutane là. Quitter, mes amis, leurs associations pastorales complètement paganisées et se repentir d'abord de leurs péchés, hein, de non-péchés. Divorce, remariage, les pasteurs. Comment voulez-vous que, mes amis, cette église congolaise aide la population, aide le pays, aide même les gens qui nous gouvernent? Elle n'est pas un modèle. Cette église pense que Dieu est américain, copiant tout le fonctionnement des églises américaines. Mes amis, la méga church, les gros, les grands bâtiments à la gloire des hommes, soutane, tout ce que vous voulez, et jet privé, hein, carrément. Et c'est la confusion totale, c'est la confusion totale, totale. Alors qu'un prédicateur doit être au service du peuple. Au service du peuple. Michel dit quoi? Seigneur, sauve-nous. Michel chapitre 4. Chapitre 3, pardon. Le verset 11. Ses chefs jugent pour des présents. Ses prêtres enseignent pour un salaire. Et ses prophètes devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. Voyez? Les présents, les présents, les présents. Offrande du prophète, la dîme, telle offrande. Ils ont inventé tellement d'offrandes, tellement d'offrandes. Ils sont complètement sous la loi. C'est une église qui est sous la loi de Moïse, qui ne parle que de Moïse, 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 qui ne connaît pas la grâce, qui ne connaît pas, mes amis, qui ne prêche pas sur l'enlèvement de l'église, sur le retour de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne parle pas de la sanctification en tout à la vivant. Ils sont tous en costard et cravate parce qu'ils pensent que c'est l'habit du pasteur. Hein, mes amis, dans un pays qui fait quand même 40 degrés parfois, ils sont dans ce cravate, dans ce costard, en train de s'étouffer là-dedans, hein, tout ça là, et se faisant passer pour des grands enseignants. Et ceux qui enseignent l'ordre de Melchisédek, qu'on peut sortir de son corps, aller saluer les autres chrétiens. C'est la confusion totale. Ils vendent des bracelets rouges. Vous voyez, c'est la cabale juive, la sorcellerie carrément, là, mes amis, aux yeux de tout le monde. Et tout ça, c'est normal. Tout ça, il n'y a pas de problème pour beaucoup. C'est normal. Hein, c'est des révélations qu'ils reçoivent, soi-disant. Hein, c'est la confusion totale. Ils ont invité Benny Hinn là-bas. Il a fait un programme dans un grand stade là-bas. Il a vendu aux enchères un de ses livres-là, un exemplaire, 15 000 euros. 15 000 dollars. 15 000 dollars. Hmm? 15 000 dollars. Vous avez vu la liste des pasteurs congolais très connus là-bas qui sont divorcés, remariés, étant pasteurs, dont les femmes prêchaient aussi, hein? Divorcés pour épouser des jeunes filles dans leur bâtiment d'église. Tout le monde trouve ça normal. Tout le monde acclame. Ces personnes n'ont plus aucune moralité. Que Dieu nous garde. La confusion. On va nous balancer les éléments là. On y va, l'équipe. Ouais. Seigneur, sauve-nous. C'est-à-dire nos deux enfants qui avaient respectivement 6 ans et 4 ans. Mon mari a catégoriquement refusé de coucher avec ses propres enfants. Il a dit qu'il ne pouvait faire un tel acte avec des enfants qu'il a engendrés.
Alors ils lui ont dit, attends, on va te montrer comment on fait l'amour à une femme. J'ai compris qu'au lieu de laisser tuer mon mari et mes enfants, comme je n'avais plus aucune force parce qu'ils m'avaient tant battu, je n'avais pas le choix en réalité. Et ils m'ont violée. Guylaine habite à côté de ces forêts où sont tapis les agresseurs. Ils opèrent presque toujours de la même manière. Soit ils descendent pour piller au hasard, soit des mouchards du village leur font savoir que l'un ou l'autre habitant a reçu quelques biens ou de l'argent. Elle cache d'un sourire la terreur qui ne la quitte plus. Mais sa voix ne trompe pas. Son mari, lui, ne l'a pas chassée, mais reste plongé dans une dépression profonde et ne travaille plus. Ils sont contournés la clôture parce qu'ils sont nombreux. Combien? Plus de 30, 20. Parce qu'il y a les autres qui entrent dans la maison et les autres restent à l'extérieur et les autres gardent les voisins pour que les voisins ne puissent pas parler. Vous voyez qu'ils ont, j'ai dit qu'ils sont venus. Ils ont passé, ils ont contourné la clôture, ils ont passé vers ici. Et vous saviez qui ils étaient? Vous saviez qui c'était? Parce qu'il y a les militaires, tous étaient en uniforme. On ne peut pas savoir qui, si c'est les Mutundo, si c'est les Maïmaï, si c'est les Interham, on ne sait pas. Mais ils parlaient les langues rwandaises. Vaches, nos chèvres, nos moutons, ils sont pris tout. Ils nous ont dit de dire merci de tout ce qu'ils nous ont fait. Lui, il a dit même au mari que est-ce que tu n'es pas content de ce que nous avons fait. Lui aussi a dit que Dieu vous bénisse. Seulement, parce que si vous dites que tu n'es pas content, il vous dit. C'est ce qu'ils sont. Guylaine, qu'est-ce que vous espérez qu'on leur fasse? Moi, je souhaite de nous faire quitter les Interham dans la forêt seulement. Parce que si ces Interham quittent dans la forêt vraiment, nous pouvons avoir la paix. Nous, les villageois et les villageoises, on peut avoir la paix. Les Interahamwe sont arrivés ici au Kivu 10 ans plus tôt, dans un flot de 2 millions de réfugiés Hutus. Depuis, le chaos n'a jamais cessé dans la région. Pour circuler près de ces montagnes, il vaut mieux être accompagné d'une solide escorte militaire. Grâce à elle, nous passons sans problème les nombreux postes de contrôle installés par l'armée congolaise réunifiée. Elle regroupe aujourd'hui toutes les factions qui se sont combattues. Kinshasa affirme vouloir sécuriser la région et a même envoyé des renforts. Plus on s'approche des repères Interahamwe, plus les femmes sont en danger. Et cette rencontre sur la route montre bien que la sécurité reste un vœu pieux. Ces hommes qui refusent d'être filmés sont des anciens militaires rwandais. Ils circulent en uniforme et en armes, sans que nos accompagnateurs congolais, résignés sans doute, semblent s'en émouvoir. Les Rwandais nous disent avoir faim et prennent calmement le large. Tous ces Rwandais déclarent vouloir rester au Congo. Voilà, on va montrer les images des viols de certaines populations. Donc tout ça, c'est le gouvernement mondial, bien sûr, hein, donc c'est la fin. Et voilà, donc la guerre n'est pas contre une population, contre un peuple, contre un pays,
Et le message est beaucoup plus basé sur la responsabilité des chrétiens, des églises. Et voilà, nous avons reçu le pouvoir de la part du Seigneur pour intercéder, aussi pour, mes amis, déclarer des paroles, pour bénir aussi des populations, bénir nos pays. Bien sûr, les atrocités, il y en aura toujours. La Bible dit que ça va s'accroître, mais c'est horrible. Regardez cette image, le viol, une arme de guerre au Congo. Le viol est une arme de guerre au Congo. Donc, à l'hôpital local de Bukavu, capitale de la province congolaise du Sud Kivu, la réalisatrice a accompagné, a accompagné 4 semaines durant des femmes victimes de viol. Donc, cette sœur, cette jeune fille violée, son corps mutilé. C'est des images que vous devez voir. Pourquoi? Parce que c'est des réalités que connaît ce pays, des réalités que l'on cache. Que l'on cache. Et des pasteurs n'en parlent pas. Ils sont dans des gros 4x4, ils n'ont pas le temps. Le mal doit être dénoncé. L'Église a reçu le mandat pour dénoncer le mal. Même si le mal va s'accroître, mais nous avons reçu ce mandat-là, nous ne pouvons pas nous taire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, là où il y a le mal, nous le dénonçons. Voilà. Dans n'importe quel pays, Congo, Rwanda, Burundi, l'Angola, la France, l'Europe, n'importe quel pays, là où un peuple est mutilé, un peuple est combattu, eh bien, nous devons, en tant qu'Église, dire Dieu va juger, Dieu est contre cela. Parce qu'il nous a dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et ce soir, je voudrais bénir tous ceux qui combattent les enfants de Dieu, parce que c'est ça le message. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à créer des tensions entre les peuples, entre les âmes, entre les populations. Nous voulons au contraire apporter la paix. Mais nous devons aussi en même temps dire au monde entier ce qui se passe. Voilà. Vous avez pu voir aussi ce que le Rwanda a traversé, hein, un carnage, des millions, des milliers d'âmes, des milliers de victimes dans ce pays aussi. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut dénoncer, parce que le mal, mes amis, le mal doit être dénoncé. Comment un peuple peut se massacrer comme ça, un peuple issu d'un même pays? Voilà les réalités des problèmes que traverse l'Afrique aussi. Donc, d'autres images, s'il vous plaît, les amis, on va aller assez rapidement. Et la République démocratique du Congo souffre énormément. Après les femmes, le viol des bébés se généralise en RDC. Des bébés sont violés. Des bébés. Vous avez des bébés? Vous avez des enfants? Voilà. Voilà ce qui se passe au Congo RDC. 50 filles violées par heure au Congo dans le silence des médias. 50 filles par heure, et non par jour, hein, par heure, sont violées au Congo et les médias sont silencieux. Elles ont entre 12 et 16 ans, sont vierges et appréciées des militaires pour leur pureté. À 15 ans, cette jeune fille connaîtra sans doute son premier rapport sexuel dans une violence inouïe. Inouïe. Elle est presque nue. Et elle va être violée. Elle l'a déjà été, je pense, parce que c'est en 2012 que cette photo a été prise. Elle peut être votre fille, votre sœur, votre petite fille, ma fille. Hein? Voilà. On continue. À tour de rôle, pendant plusieurs heures, elle sera violée par ces hommes armés. Faite prisonnière, ils lui feront effectuer un voyage difficile dans la forêt jusqu'au moment où une autre jeune fille la remplacera. Voilà, voilà la réalité de ce qui se passe au Congo, dans l'est de la RDC. Et les pasteurs au Congo Kinshasa, les églises, demandent 1 million pour construire leur bâtiment. 1 million! Voilà le massacre des bébés à Beni, une des villes de l'est de la RDC. Ces enfants-là, vous avez vu dans quel état ils sont? Hein? Égorgés, tués. Et les églises demandent quoi? 1 million! 1 million! Ils font l'étalage, ces pasteurs. Ils font l'étalage de leurs finances. Hein? Voilà.
combien d'orphelinats ces hommes ont construit, combien de veuves nourrissent-ils, combien. Et vous voulez qu'on se taise? Vous ne voulez pas que je parle? Ce n'est pas mon problème, mes amis. Je ne suis pas là pour chercher l'amitié des gens. Je dois dire ce que Dieu me met à cœur de partager. Ce soir, le message, c'est pour interpeller l'église de la RDC Congo, pour interpeller ces bishops qui s'enrichissent et qui n'aident pas la population. Je dis bien, ce n'est pas un péché qu'un prédicateur, qu'un chrétien ait une maison, qu'un pasteur ait une maison. Si c'est son argent, il n'y a pas de problème. Mais aider les pauvres, soutenir les pauvres, arrêter de faire des demandes d'argent pour construire vos bâtiments de 1 million. 1 million en bâtiment dans un pays comme ça. Et vous vous dites prêcher la sanctification. Vous vous dites être pasteur, prédicateur, homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous êtes tous des voleurs. Voilà. Tous des voleurs. Et on va vous dénoncer quand vous allez commencer à venir en Europe pour faire vos séminaires ici. On va commencer à vous dénoncer davantage. Voilà. On va commencer à envoyer des frères et sœurs. Que les frères et sœurs qui aiment la vérité, le commun n'est pas charnel. Mais allez dans leur séminaire, posez-leur ces questions publiquement, mes amis. Hein, ces charlatans qui viennent ici pour amasser de l'argent, pour aller encore construire leurs empires là-bas au Congo. Avec toutes ces souffrances que ce peuple vit. Regardez-moi comment ils massacrent les gens. Hein. Tout ça, c'est des choses qui se passent présentement au Congo RDC. Et les médias n'en parlent pas. Et quand aux États-Unis quelqu'un est tué, tout ça passe à la télévision, c'est des boucles et des boucles. Hein? Et là, au Congo RDC, regardez-moi ces massacres, regardez-moi ces images. Hein? Qui c'est qui en parle? Une vie congolaise n'a pas de valeur. Hein? La vie d'un Congolais n'a pas de valeur. Voilà, c'est la triste réalité, mes amis. Et là, c'est mon cœur qui saigne, c'est mon cœur qui parle. Mon cœur qui souffre comme le cœur de Jérémie, pleurer pour son peuple, pleurer pour sa nation. Et quand des nations, quand des enfants sont détruits, quand des vies sont détruites, mais on en parle. Que ce soit en France, que ce soit ailleurs, on en parle. On crie. C'est des millions de victimes, c'est des millions d'âmes. Regardez-moi ça, ce carnage-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est fait par qui ? Par des groupes congolais aussi, hein, aidés par d'autres pays qui convoitent la richesse de cette nation. Hein. Regardez-moi les casques bleus, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous savez que là-bas, c'est le contingent le plus important des casques bleus, hein, de l'ONU. Hein. C'est au Congo RDC, dans l'Est, qu'il y a le contingent le plus grand, hein, le plus important de l'ONU. Près de 17 000 soldats de casques bleus. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien! Ils sont là-bas pourquoi? Parce que c'est des multinationales qui gèrent ce pays, hein, qui volent, qui pillent. Hein. Donc, c'est la confusion totale. 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 Des enfants comme ça, enrôlés dans l'armée, hein, des enfants qui n'ont plus de vie, des enfants soldats. Regardez-moi ça. Et les bishops font quoi? Les bishops, hein? Les bishops prophétisent, vous allez voyager, vous aurez le visa, hein? Ils prophétisent ça au peuple, eh bien, vous serez riche, vous serez la tête et non la queue. Voilà, ils ne sont même pas en deuil. Seigneur, sauve cette nation, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, notre idolâtrie, Seigneur, notre Dieu, pardonne-nous. Nos pères ont péché et c'est nous qui payons le prix, hein, de leurs péchés et de nos propres péchés. Cette nation qui était rayonnante, cette nation qui a connu un puissant réveil dans les années 80, cette nation qui était respectée par les nations d'alentour, cette nation aujourd'hui, Seigneur, est brisée et le peuple pleure, le peuple soupire. Hein? Mais je voudrais dire à mon peuple, je dirais à mes frères, comme hier les autres ont pu le dire, comme les Aïe, les Jérémie, comme d'autres chrétiens le disent aujourd'hui pour les nations qui les ont engendrées, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu, véritablement. Au nord, dans le Nord Kivu, plus de 2500 femmes violées en 6 mois.
voilà une femme victime de viol. Plus de 2500 personnes, dont 30% d'enfants, ont été violées entre. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir ces choses-là. C'est la confusion totale. La confusion. On continue dans les images, là. Et Dieu dit dans Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux un homme. J'ai cherché parmi eux un homme qui pouvait se tenir à la brèche, mais je n'en ai pas trouvé. Donc on balance toutes les images que vous avez, hein, concert payant, toutes ces images-là. Vous voyez cette confusion-là, vous me direz, frère, mais l'Église, qu'est-ce qu'elle a à faire dans tout ça? Ah oui, mais l'Église, quand un pays est touché comme ça, l'Église ne doit pas prêcher l'argent? L'Église ne doit pas avoir un autre message que le message de la repentance pour pleurer, pour gémir? Au lieu de faire l'étalage de leurs richesses, de leurs grosses voitures, de leurs temples qui coûteraient 1 million, vous voyez le contraste entre la souffrance de ce peuple et l'argent demandé par ces bishops pour construire leurs bâtiments à leur propre gloire. C'est la confusion totale. Totale, mais totale. Avec ces chantres qui sont devenus comme ce monsieur qui chante Patrice, hein, qu'on a nommé président de chantres impudiques de la RDC. Et lui-même aussi est devenu paganisé. Dieu d'ailleurs m'a dit que s'il ne se repentait pas, il allait mourir. Je l'ai appelé pour lui dire ça. Ça fait mal, mais Dieu va frapper dans le milieu de pasteurs et de chantres. Il va y avoir encore un jugement terrible du Seigneur qui va s'abattre. Regardez-moi ça. Au Grand Hôtel, au Kinshasa, 3 novembre 2013, on va 25 euros. 25 dollars, voilà. Hein? Enfant, 15 euros, 15 dollars. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte dans un pays où le salaire minimum est de 30 dollars. Tu voulais dire quelque chose, Joël? C'est 1 dollar par jour. Voilà, donc 30 dollars le mois. Ça, c'est le SMIC, tout ça. Et là, ils mettent quoi? Conserve 25 dollars et les enfants 15 dollars. Hein? C'est quoi comme programme ici là? C'est un concert. Voilà. 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 Concert chrétien, hein, soi-disant. Ils sont devenus fous. Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Ils sont devenus fous. Ils sont tombés sur la tête. La prostitution est une calamité en RDC selon Astrid Malenga. Voilà. Kinshasa 28. La prostitution des femmes et filles constitue un problème sérieux en République démocratique du Congo, un pays post-conflit frappé par une forte crise socio-économique, a déclaré Madame Astrid Malenga, responsable de l'ONG Mama Boyambi, au cours d'un entretien mardi avec la CP. Elle a indiqué que des adolescentes qui goûtent de façon précoce au plaisir de la chair se retrouvent parfois avec 2 ou 3 enfants indésirables avec lesquels il faut composer pour le reste de leur vie. Hein, de la vie. Donc, la prostitution qui déshumanise la femme n'est apparemment une préoccupation pour personne, même pas pour les autorités du ministère en charge de la femme, famille et enfants. Ah ben là, c'est sûr. Hein. Donc là, laisse tomber. Hein. Ah, l'autorité est complètement inexistante. Hein. Là, c'est la confusion totale. Normal, là, c'est la confusion totale. Ces dernières années, et, a-t-elle dit, personne même ne même pas les autorités du ministère en charge de la femme, famille ou enfant, voilà, c'est ça. Ces dernières, a-t-elle dit, ne s'intéressent qu'aux activités menées par des organisations féminines dans le cadre de la partie parité hommes et femmes et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Voilà, en fait, bref, on est... Allez, voilà, il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Et même les prédicateurs congolais qui sont à l'étranger, ici en Europe, aux États-Unis, Canada,
partout en Chine, en Asie, que font-ils? Il y en a très peu qui se battent pour que les frères et sœurs connaissent la vérité. Très peu. La majorité, mes amis, laisse tomber. C'est des associations de voleurs, des associations de grands bishops. Mes amis, c'est la confusion totale, mais totale. Je ne dis pas que l'Église doit s'impliquer dans la politique, ce n'est pas ça, ce n'est pas notre message, ce n'est pas mon message. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas être chrétien et fermer la bouche. Ce n'est pas possible. Non. Non. Nous avons un rôle à jouer. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Hein. Le Seigneur va changer le monde, ça c'est sûr. C'est lui qui va instaurer la paix. Mais néanmoins, nous pouvons apporter de l'aide. Hein. Nous pouvons éduquer les gens avec la parole, avec l'évangile. Nous pouvons apporter avec les peu de moyens que Dieu nous donne, aider les pauvres. Allô, bonsoir. Ok. Allô, oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, frère Chora. C'est frère Gérald à l'appareil. Voilà, je voulais simplement intervenir par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, là, tout ce que tu montres. Vraiment que Dieu soit béni, vraiment que les gens se réveillent vraiment, parce que c'est, tout ce que vous avez montré, c'était un reportage qui était passé, je crois, sur TF1 en partie. Et en fait, toutes ces églises de réveil là, qui sont au Congo, je sais que c'est ton pays, que ça te tient beaucoup à cœur, mon frère. Vraiment que Dieu te fortifie par rapport à ça aussi, parce qu'il faut c'est aussi dénoncer. C'est pas facile. Mais en fait, toutes ces choses là, c'est pas des églises, c'est pas des chrétiens, en fait. C'est pas des chrétiens. On est d'accord. Le problème, c'est que les gens sont naïfs et ils profitent de la naïveté des gens et il y a aussi, malheureusement, ces gens qui se disent chrétiens alimentent ces églises, alimentent ces charlatans. Et il faut aussi dénoncer cela, il faut parler aux gens clairement. Arrêtez d'aller dans ces choses. Parce que c'est le problème, c'est que c'est eux qui les nourrissent. Effectivement. C'est eux qui nourrissent ces gens. Effectivement. Tout à fait, parce que, d'ailleurs, Paul le dit dans 2 Timothée 4. Hein. Et c'est triste de voir cela. C'est triste de voir ça. Et le Seigneur, vraiment, et comme tu disais, il va frapper. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Il y a des gens là, ça va être terrible pour eux. S'ils ne se repentent pas, ça va être terrible pour eux. Je voulais juste intervenir parce que vraiment là, j'ai été saisi là par l'esprit. Parce que c'est gravissime. C'est gravissime. Comment les gens peuvent se convertir quand on voit des choses comme ça? C'est compliqué ensuite de parler de Dieu aux gens. Paul nous dit justement, mon frère, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Exactement. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça. Tout à fait. Voilà, malheureusement. C'est vraiment ce qui se passe. Et donc que Dieu soit béni en tout cas. Vraiment, sois fortifié, mon frère, que Dieu te garde, que Dieu te protège de tout mal aussi, toi et ta famille, ainsi que toute l'équipe qui est constituée autour de toi. Merci, frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Donc ils vont chercher des docteurs qui leur chatouillent les oreilles. Et c'est exactement ce qui se passe, comme le frère le disait, mon frère Gérald. La vérité a disparu. Les gens, au lieu de chercher le Seigneur, ils cherchent les hommes. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent des marabouts, des voyants, des ngangas, tout ça. Eh bien, des kimboiseurs, eh bien voilà, ces kimboiseurs, ces marabouts qui se disent prophètes, pasteurs, ils vont au Canada, ils vont en France, ils font des séminaires dans des grandes salles, c'est rempli de monde, des gens qui vont cotiser pour qu'ils construisent leur temple à 1 million. Et tout le monde trouve ça normal, même ceux qui dénoncent le péché, même ceux qui parlent du retour à la parole, la réforme des églises, ils trouvent ça normal, ils vont encore alimenter ces hommes. Je dis, Seigneur, sauve-nous. C'est une génération perverse et corrompue. Voilà. Perverse et corrompue. Quand on est pasteur dans un pays où il y a autant d'atrocités, eh bien, on va être au service de la population et on va pas être, la population ne va pas être à ton service. Et c'est l'inverse qui se passe. Voilà. Entre ceux qui font sortir de l'argent de la bouche de poisson, hein, tout ça, on trouve ça normal. Ceux qui font, n'est-ce pas, qui disent aux gens, vous allez avoir des unités de téléphonie, tout ça, vos cartes, vos téléphones vont être rechargés par la foi. C'est la confusion totale. Totale. Et ceux qui sont, mes amis, qui vont faire des montages avec des miracles mensongers, et qui ont, il y a même des amis de pasteurs, des clubs d'amis de pasteurs. Mais c'est la confusion. Mais il y a une telle
confusion dans ce pays, mais mes amis, là, c'est grave. C'est grave. Un musicien meurt, qu'il soit chrétien ou païen, il l'adore là-bas, il l'adore. Ils vont louer un stade, ils vont tous l'adorer, ils vont tous faire des bons témoignages qu'il était converti, qu'il était chrétien, qu'elle était chrétienne, elle était bien. C'est une hypocrisie, un peuple rempli d'hypocrisie. Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Donc, oui, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en ligne là. Il ne faut pas écouter votre ordinateur, s'il vous plaît. Allô? Oui, attendez, je vais me déplacer. Allô? On montre les images en même temps, les amis, l'image que je vois là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Oui. Bon, je vous appelle à propos de ce que vous êtes en train de dire, vraiment. Merci, Seigneur, pour ça. Je voulais juste dire pour les églises du Congo, mais partout à Kinshasa, à 100 mètres, il y a une église. 50 mètres, il y a une église. Même devant une église, j'étais à Kinshasa dernièrement, une église. Devant une église en plein culte, hein, il y a la grande sœur de la femme du pasteur qui fait le beignet à l'entrée de l'église, au milieu, qui fait le beignet et ils font des publicités pour vendre des calendriers pour l'église. Des calendriers avec la photo du pasteur et de sa femme. Pardon? Le calendrier avec la photo du pasteur et de sa femme. Voilà, photo de sa femme et lui-même. Et puis, il y avait un monsieur sataniste qui témoignait, soi-disant, devant ce calendrier. Il avait vu le calendrier, il avait plus de puissance. Maintenant, le pasteur avait des criers, il faut acheter des calendriers. Chaque année, il faut vendre le t-shirt du pasteur avec sa femme. 10 dollars. Et tous les jours, le culte, tous les matins, le culte, il faut ramener l'argent. Et dès qu'il y a, avant de la fin du mois, à la fin du mois, dès qu'on peut arriver à la fin du mois, vers le 25, le 26, il faut qu'il fasse le séminaire. Hein? Séminaire de 4 jours pour que les gens ramènent l'argent à la fin du mois. La dîme, tous les dimanches, dîme. Tu déposes l'enveloppe, on te touche à la tête. Tu déposes l'enveloppe, on te touche à la tête. Ça, c'est quoi ça? Hein? Des voleurs. Ça, c'est quelle histoire. Et puis le pasteur que vous avez montré là, le pasteur là, le premier là avec le pape, il sortait avec une cousine. Hein? Il avait vu la cousine dehors. À l'époque, la cousine était à l'école secondaire. Elle attendait son père pour aller le chercher à l'école. Et le monsieur passait en voiture avec un chapeau Borsalino là. Il a mis sa main sur la bouche. Il dit qu'il était un Américain, il vient d'arriver faire une mission à Kinshasa. Et tous les soirs, il venait chez la fille à Gombe. Hein? Ce pasteur qui vit à Paris ici. Sa main sur la bouche pour dire que c'est pas lui. Et un jour, il avait pris la fille avec sa copine dans la voiture. Il a mis la registrée en dessous de sa chaise. Et il est sorti de la voiture. Il est parti se cacher. Après, la fille commençait à parler de lui avec sa copine. Il est rentré, il a mis sa main sur sa chaise. Il a commencé il a fait le rec. Et la fille, ce que la fille disait, il a dit, vous avez vu ce que je vous ai eu? Hein? C'est pas possible ça. Le Congo est pourri. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas des églises, il n'y a rien. Ils travaillent dans leur poche, pasteur, frère. Hein? C'est triste, mais nous, on va les dénoncer. On va aller là-bas, on va les dénoncer, même si vous ne passez pas. Mais nous, quand on va là-bas, on parle. Mais les gens ne veulent pas nous écouter, et ils disent que nous sommes en train de faire mauvaise doctrine. Même dans nos familles, ils ne veulent pas nous écouter. Parce qu'ils sont envoûtés par ces gens. Hein? Ils ne veulent pas. Ils partent dans l'église pour avoir un mariage, ils partent dans l'église pour avoir un travail, et si tu veux aller chercher du travail, il faut que tu portes les t-shirts du pasteur. Devant l'église, on va te baigner parce qu'en plein culte, tout le monde sent le beignet. Hein? Voilà, c'est le lieu de commerce aujourd'hui. Là, 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 là.
des faux pasteurs de tout ce monde avec des fils, des bracelets dans leurs poignets. Partout, il n'y a que ça. Tu vois quelqu'un qui vient de l'église avec des seins de dehors. Hein? Oh, Jesus Christ. Que Dieu nous garde, ma soeur. En tout cas, merci. Bon courage. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Continuez et nous, on va aller. Nous, on a dit, on va aller. Et puis quand on y va là-bas, on parle. On va à l'église, on regarde. On regarde tout ce qui se passe. Une femme de pasteur qui se lève, qui dit, moi, je prends la décision avec mon mari. Mon mari ne peut pas parler sans que moi je dise quelque chose. C'est une Jézabel. C'est quoi ça? Une Jézabel. C'est l'église. Est-ce que c'est la femme-là qui a été appelée ou bien c'est l'homme? Les enfants couchent avec les filles à l'église. Hein? Les petits sorciers, les sorciers sont là. Ils se rassemblent tous. Hein? Et ils laissent l'héritage à leurs enfants. Et ils laissent les églises à leurs enfants. Oh là là. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Bon courage, mon pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis frère. Bon, voilà. Ce soir, vous voyez la réaction des gens. Il y a un ras-le-bol. Voilà, parce que le peuple meurt, hein, parce que nos familles, nos parents, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos grands-mères, nos parents, nos mamans, nos papas sont avilis, sont abrutis, sont dépouillés par ces gens. Et même vous qui êtes en Occident, vous qui êtes à l'étranger, vous avez vos marabouts là-bas à qui vous envoyez de l'argent pour qu'ils prient pour vous, pour qu'ils vous disent votre avenir. Vous consultez ces pasteurs comme des diseuses de bonne aventure, tout ça là. Vous allez vous repentir, repentez-vous de toutes ces choses là aussi là. Et c'est le peuple aussi là qui... Revenons au Seigneur, j'ai plus de son, plus de batterie. Il faudrait qu'on revienne au Seigneur véritablement parce que là, c'est la confusion totale. Donc c'est le peuple qui est à la base de cela. C'est le peuple qui aime ça. Voilà. Donc, Daniel a pleuré pour son pays. Hein? C'est biblique, hein, mes amis. Tri, mes amis, on va me donner un autre micro, là, c'est possible. L'équipe, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Daniel a pleuré pour son pays. Esdras a pleuré pour son pays. Néhémie a pleuré pour son pays. Allô, bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport à toutes les familles, enfin recomposées entre guillemets, des Congolais. Parce qu'en général, nous les Congolais, il y a beaucoup de familles pour venir en France, en fait, on s'est donné une fausse identité. C'est-à-dire que les frères, on a fait croire que les cousins qu'on avait, des cousins éloignés, même des gens qu'on ne connaissait pas, que c'était nos frères et sœurs, pour venir en France et pour avoir la nationalité. Ça arrive, enfin c'est courant. Moi je suis dans cette situation-là et je connais aussi d'autres familles congolaises qui sont dans cette situation-là. Après maintenant, quand ces effets, par exemple pour moi j'avais 2 ans, enfin, quand je suis fait, j'avais 2 ans. Ma soeur, allô, allô. Et ces derniers temps, je me posais la question par rapport à ça. Allô. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai refait ma carte d'identité. Et quand j'ai refait... Allô, allô, bonsoir, allô. Oui. Bon, excuse-moi, on peut se tutoyer. Tu habites en Île-de-France? Oui. Est-ce que tu peux venir au bureau? Hein? Est-ce que tu peux venir au 24? Le 24? Tu habites, en, tu habites à Paris? À Melun? Oui. Ok, mais viens nous voir demain si tu peux, comme ça on va en parler. À quelle heure? Demain on est là, toute la soirée, à partir de 17h. D'accord. Parce qu'on veut vraiment rester sur l'émission, sur le programme. Voilà. Mais merci ma soeur, à demain. Merci, à demain. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de magouilles, c'est sûr que
Voilà, bon, ça, il n'y a pas que les Congolais. La plupart des gens qui sont en Occident, des gens issus de l'immigration, font ces pratiques-là, malheureusement. Trafic de papier, tout ça, voilà. Mais quand on est chrétien, c'est des choses à ne pas faire. Si on l'a fait étant païen, bon, on rectifie hein, si l'on peut. Mais sinon, quand on est chrétien, on ne peut pas mentir. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de réactions ce soir, mes amis, parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, effectivement. Le peuple commence à ouvrir les yeux. Beaucoup de chrétiens commencent à ouvrir les yeux. Et vous voyez, ils nous ont diabolisés. Ils nous diabolisent à cause de l'enseignement sur la dîme. Parce que ben, on leur coupe de l'herbe sous les pieds. Et parce qu'ils se rendent compte que bon, avec le message du retour à la parole, eh ben, le peuple commence à ouvrir les yeux et commence à avoir moins d'argent. Donc du coup, ils ne peuvent plus avoir le train de vie qu'ils avaient hier. Que là, ils nous font la guerre, mais nous n'allons pas nous taire parce qu'il faut que les yeux des frères et sœurs s'ouvrent au nom d'Yeshua. Voilà. Allô, bonsoir. Oui. Oui, j'appelle de Londres, je m'appelle Fred Dédonné, et puis... Je voulais vraiment vous encourager de tout ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, je suis congolais, mais je n'ai jamais vu un serviteur qui se donne de l'âme aussi avec pour son pays. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, même ici à Londres, vraiment, on est fatigué avec les prédicateurs congolais. Ils ramassent tout ce qui est de Kinshasa pour ramener même ici. À tout moment, qu'il y ait de l'argent. À tout moment qu'ils ont besoin de leur villa, il n'y a même pas souci des âmes du peuple de Dieu. Vraiment, nous sommes tellement fatigués ici à Londres. Mm-hmm. Voilà, tellement fatigués. Il y a des miracles mensongers. Ils montrent leur véhicule. Les enfants couchent avec des âmes à l'église. Il n'y a personne qui peut se lever même pour dénoncer tout cela. Ils ont peur. Où sont les vrais? Les vrais que le Seigneur cherche. Où sont-ils? Nous plairons énormément. Est-ce que je ne sais pas, par la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas organiser une journée de prière pour implorer la grâce de Dieu, nous qui sommes peut-être dehors? Je ne sais pas que le Seigneur nous guide vraiment. On va organiser, on va voir peut-être mercredi, on pourra avoir une soirée pour intercéder pour la RDC. Intercéder pour l'Afrique et parce que il y a un travail que le Seigneur a commencé à faire en Afrique et parce que l'Afrique a une destinée prophétique et cette semaine on veut vraiment parler aux frères et sœurs du monde entier sur le sort prophétique, sur la mission prophétique de l'Afrique et je crois que demain on va encore avoir un message sur l'Afrique dans la Bible hein? Donc il est vraiment temps que les yeux des uns des autres s'ouvrent sur la mission de l'Afrique et parce qu'il y a des prophéties sur ce continent et voilà, donc on va organiser ça, frère, il n'y a pas de problème. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment, courage, nous sommes là vraiment, nous croupons les genoux pour vous, rien ne vous arrivera de tout ce que vous êtes en train de faire, rien. Amen. Nous prions énormément que le Dieu vous protège, que cette mission aille jusqu'au fond. Et nous allons voir vraiment les fruits d'une de vraie repentance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse toute l'équipe. Amen, merci. Merci, au revoir. Donc, demain, émission spéciale sur la destinée prophétique de l'Afrique. Voilà. Là, on va développer des choses. Donc là, on aura, donc je vous invite tous demain, là, vous allez pouvoir poser des questions. Et on va rentrer dans les détails parce qu'il est temps que le peuple africain saisisse sa mission. Et notamment les Africains qui sont à l'étranger, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des demandeurs d'asile, mais qu'ils sont missionnaires, qu'ils doivent aimer le pays où ils sont, qu'ils doivent bénir le pays où ils sont, parce qu'ils sont missionnaires. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir développer demain. Voilà, qu'on ne doit plus se comporter comme des demandeurs d'asile, mais comme des missionnaires, et en aimant les gens qui nous ont reçus chez eux, et en bénissant les autorités qui nous ont ouvert grandement leurs portes, et au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis la sœur Sylvie, j'appelle de Toronto. D'accord. Oui, c'est par rapport à l'émission qui passe en ce moment. Mm-hmm. Je suis de la RDC et c'est vraiment triste ce qu'on est en train de voir. Et
les mêmes choses se passent même ici avec les pasteurs congolais que nous avons ici. On a récemment, il y a eu un autre qui est venu du Congo, un certain Walissa et tout. Mais c'est vraiment, je sais pas moi, est-ce que c'est possible de faire une journée de prière uniquement pour le Congo, pour ce peuple-là, parce que c'est triste. C'est vraiment triste. Les pasteurs qui viennent, c'est juste pour... Ce sont des commerçants. D'accord. Des commerçants, c'est tout. Pardon? Ce sont des commerçants. Ah oui, ah, d'accord, je n'entendais pas très bien. Ils viennent, ils font la propagande des, je sais pas moi, de leurs véhicules, de tout ce qu'ils ont, comme a dit. Bon, voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont commencé à demander, ils ont même posé la question, parce que je suivais ça en ligne. Je dis, mais qui est cette personne qui ne donne jamais de dîme, mais ça veut dire que tu ne seras jamais béni. C'est terrible. Je ne sais pas comment les gens peuvent être aveuglés à ce point. Et, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Voyons ce qui se passe au pays. Et eux, ils viennent et racontent du n'importe quoi. Donc, que le Seigneur nous aide. Vraiment. Il ne faut même plus aller à leur programme. Il ne faut même plus aller à leur programme. Et parce non, que. Moi, je n'y vais pas. Non. Moi je n'y vais pas. C'est bien. Non, je ne peux pas y aller. Mais j'ai suivi sur Internet des gens qui disent ben voilà, il est venu. J'ai dit bon, qu'est-ce qu'il raconte? Je mets juste là, c'est une annulation des. Une possession maléfique, quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, c'est juste. C'est juste sur la dîme et les offrandes de l'action de grâce qui est demandée. Moi, ça m'a beaucoup surpris et ça me fait très très mal parce que j'ai vu comment les églises congolaises sont mobilisées pour aller à cette rencontre-là. Je prie Dieu me met à cœur de prier pour eux et ça fait très très mal, très très mal. Ouais. En tout cas, ma sœur, bon courage et puis on va préparer une soirée pour la prière, soirée prière pour cette nation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère Chora. En fait, je vous appelle de la Suisse, de la Chaux-de-Fonds. Je voulais juste vous féliciter et que Dieu vous bénisse. Ce que vous dites, c'est vraiment ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne sais pas quoi dire. J'ai le cœur qui bat. J'ai mon corps qui tremble parce que c'est vraiment la vérité. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vais beaucoup prier pour vous tout le temps. Parce que ce que vous dites, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Vous dites toujours la vérité. Et je sais que Dieu, il passe par vous. Et je suis un peu stressée là parce que... Je suis tellement contente, en même temps je suis un peu triste de tout ce qui se passe, mais je sais que Dieu il va faire, il va agir, et puis voilà, et soyez bénis encore, et bonne soirée. Merci puis ma voilà. Soeur, merci, que Dieu soit béni. Grâce à vos prières, ben, on va continuer à faire le travail que le Seigneur nous a confié. Et Dieu dit dans 2 Chroniques 7, 14, il y a une solution, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Voilà, c'est une promesse que le Seigneur a faite aussi aux Congolais, à d'autres nations, notamment ce soir aux Congolais, à la RDC. S'il y a une repentance, s'il y a l'humilité, si on crie au Seigneur, eh bien, le Seigneur va se glorifier parce que Dieu veut sauver. Je crois qu'avant l'enlèvement de l'Église, Dieu va sauver beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'il veut sauver des vies. Le Seigneur nous dit que son désir, c'est de sauver les âmes. Il ne veut pas voir les âmes mourir. Donc moi, j'appelle ces pasteurs qui n'ont pas encore atteint le point de non-retour. J'appelle les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les anciens, les diacres congolais, les chantres, tout ça là, qui rougissent dans leur cœur, qui se rendent compte que nos églises au Congo sont malades et qui veulent changer, qui couper les ponts avec ces faux pasteurs. Coupez, sortez de là, repentez-vous, repentons-nous et allons vers le Seigneur. C'est encore possible. Il est question de votre éternité. Ne laissez personne vous entraîner en enfer. Vous pouvez vous séparer d'avec ces faux ministères, ces faux croyants, ces faux pasteurs, bishops, prédicateurs qui font des appels de fonds pour construire des bâtiments de 1 million, pour construire des je ne sais pas quoi, qui ne s'occupent pas des veuves, des orphelins, qui ne construisent pas des écoles. Toutes ces années
depuis les années 80 jusqu'à ce jour, les églises de réveil à Kinshasa ont amassé beaucoup d'argent. Combien d'apôtres que vous connaissez qui ont construit un orphelinat? Combien? Une maison pour les veuves? Combien? Une école pour instruire les gens? Combien? Il y en a très peu. Hein, c'est plutôt l'église romaine qui fait ça, alors que c'est une église qui n'a même pas la vérité. Et c'est la confusion totale. Hein, et c'est aussi les kimbanguistes qui font ça alors qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est la confusion totale. Et ceux qui se disent être dans la vérité, ils sont devenus des fumeurs de chanvre, n'est-ce pas, des gens qui éclaircissent la peau, des gens qui font des voyages à gauche à droite, dont les enfants vont étudier au Canada, en Afrique du Sud, et les enfants de leurs fidèles sont au pays en train de galérer, de souffrir. C'est chantres qui font des clips. Hein, des clips avec sur des bateaux hein, à Miami, dans les îles. C'est la confusion totale. C'est le monde. Des pères, des apôtres qui laissent les églises à leurs enfants. C'est la confusion totale. Voilà. Totale. Et s'ils viennent en Europe, là, on va les dénoncer. S'il y a des séminaires ici, là, on va les dénoncer maintenant. On ne va plus se taire. C'est fini. On ne va plus se taire. Allô, bonsoir, mon frère. Oui. Le frère Serge, j'appelle de la Ferté-sous-Jouarre. En fait, j'aimerais intervenir par rapport à l'émission et vous encourager et toute l'équipe, tout ce que vous êtes en train de faire. C'est mal, ça fait très très mal quand nous voyons ce genre de choses. Nous voyons les gens vraiment, ce pays est vraiment plongé dans l'idolâtrie. On se demande où sont vraiment ces prophètes. C'est le chaos, c'est la confusion totale dans ce pays. Et il y a même le mouvement des combattants. C'est parce que les je ne sais pas si les frères et sœurs réalisent ce que le Seigneur est en train de faire dans ce pays. Les gens se sont réveillés. D'un seul coup, ils ont interdit la musique. Et petit à petit, ils se sont en train de réaliser qu'ils sont vraiment plongés dans le mal. Mmh. Mais ces pasteurs, malgré tout ce que Dieu est en train de faire, ils ne voient pas ça. Dieu a utilisé même TF1 pour les dénoncer publiquement. Mais ils ne changent pas. Ils ne changent pas, hein? Ils continuent à les inviter encore à Paris, en Europe, en Occident, pour qu'ils viennent prêcher dans leurs assemblées. C'est-à-dire qu'ils sont tous pareils, ce sont des corrompus. C'est vraiment une idolâtrie terrible. Des gens qui s'agenouillent devant les mamans sans jour, faisant des dieux. C'est vraiment le ras-le-bol général, on est fatigué, on se demande vraiment si vraiment Dieu peut vraiment intervenir, ça sera vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose pour libérer ce pays. Parce que c'est trop. Et c'est difficile à le dire, mais je tenais juste à vous encourager, soyez fortifiés. Merci. Continuez à prier pour le pays, on ne va pas vous lâcher aussi dans les prières. Merci frère, bon courage, merci. Voilà, on prend encore deux appels. Alors, voyez un peu ce qui se passe, hein, mes amis, là, vous qui êtes là, et on va... voilà, donc c'est la confusion, c'est le chaos, comme le frère l'a dit, hein, c'est le tohu et le bohu, tohu et bohu, c'est la confusion. Ça va prêcher sur l'argent, ça va prêcher sur les vêtements, ça va prêcher sur les biens matériels qu'il faut donner pour être béni, qu'il faut être comme il faut être un milliardaire. C'est un évangile social. Ce n'est pas un évangile basé sur la repentance, sur le salut, la crainte de Dieu, l'amour de son prochain. Il n'y a plus l'amour, parce que s'il y avait l'amour, ces pasteurs aideraient la population, aideraient les gens. Je ne dis pas qu'ils vont, n'est-ce pas, enlever toute la souffrance des gens, mais quand même. Tous ces millions qu'ils brassent, ils mettent ça dans des briques, hein, alors que le peuple souffre. Vous me direz, frère, et toi tu fais quoi? Je ne veux pas vous dire ce que Dieu fait par nous. Et je vous laisse vous-même prier, le Seigneur vous dira ce qu'il fait. Je ne veux pas me justifier, je ne suis pas là pour dire on a fait ci, on a fait ça, les autres ne font rien. Ce n'est pas ça mon message. Mais je dis simplement qu'il faut qu'on se réveille, il faut qu'on travaille. Voilà, il faut qu'on travaille pour les autres, hein, pour le Seigneur et pour les autres. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, frère Chora. Oui. Oui, bonsoir. En fait, c'est vraiment pour vous encourager parce que c'est vous dites vraiment la vérité. Ben, moi, ma mère, par exemple, ben, elle a fait 13 ans dans le combat spirituel. Ben voilà, elle a été ruinée, elle a pris des crédits, elle a fait plein de choses. Et c'est vraiment vrai ce que vous dites, en fait. Donc, soyez vraiment bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, c'est la vérité. Et moi-même aussi, je me rappelle un moment où j'avais un petit souci avec mon mari à la maison. Donc voilà, j'ai fait appel à des pasteurs que je voyais sur YouTube. Et il y en a même un, en fait, qui me dira, oui, envoie-moi quelque chose avant 17h, je vais faire une prière, tu verras, quand ton mari va rentrer, ben, ça va aller mieux.
Ah ben, j'ai pris l'argent du loyer, j'ai fait un Westerignon, ben voilà, c'était fait. Et quand mon mari rentre du boulot, il était encore plus fâché que quand il était sorti, quoi. Donc, voilà. C'est pour dire, tout ce que vous dites, c'est vraiment la vérité. Je le confirme. Parce qu'aujourd'hui, ma mère, elle est là, elle est au Bruxelles. Et voilà, elle galère parce que voilà, elle a fait plein de crédits, elle a pris l'argent pour partir en Israël avec TKMC, elle a fait plein de choses, elle est dans les conventions, partout, à Kim, partout, elle partait tout le temps. Et je me rappelle même qu'à un moment, parfois quand on était à la maison, elle prenait l'argent du loyer en fait, pour donner à l'église, elle faisait tellement des choses. Et voilà, là aujourd'hui elle est là, ben, elle ne va plus là-bas, mais après 13 ans, et c'est vraiment la vérité, il faut continuer à dénoncer. Je sais que beaucoup de gens ne vous aiment pas. Ah oui, ça. Mais sachez que nous prions pour vous, donc continuez vraiment et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, continuez à crier vraiment. Gloire à Dieu, merci ma soeur. Voilà quoi. On va parler et on a reçu un appel pour l'Occident, on a reçu l'appel aussi pour nos frères et sœurs africains. Donc merci pour vos prières et que Dieu continue à nous garder. Exactement. Merci. Ah, voilà, et bien, bonne soirée et bonne continuation, en tout cas dans l'œuvre. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc le Seigneur continue vraiment de nous garder là parce que, effectivement, tout ça, ça dérange parce que c'est des business qui tombent, hein, c'est des entreprises privées qui tombent et c'est le peuple qui est libéré. Voilà, le Seigneur a dit allez, hein, va et libère mon peuple. Donc que les vrais se lèvent pour annoncer le retour du Mashiach. Donc demain soir, 20h30, heure de Paris, on va développer sur l'Afrique, hein, la destinée prophétique de l'Afrique. Hein, l'Afrique dans la Bible. Et vous allez voir que Dieu a un projet pour ce continent. Et de même que le Seigneur a utilisé énormément le continent européen pour apporter l'évangile dans le monde entier. Hein, donc la première Bible a été imprimée en Europe. Et bien aujourd'hui, le Seigneur demande aux Africains qui ont reçu le Seigneur, Yeshua comme maître et sauveur, comme Dieu, d'aller partout pour répandre la parole. Et il faut que cette mission-là soit saisie et comprise correctement pour pouvoir préparer l'Église au retour du Mashiach, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une émission aussi longue. Et merci en tout cas à l'équipe technique. Merci pour vos prières. Et au nom de Yeshua, à demain, 20h30, heure de Paris. Au revoir.